Go. Bonjour tout le monde, on se retrouve exceptionnellement ce dimanche sur le plateau de Fantasy Grand. On va faire un petit one shot avec une amie, donc c'est Elodie qui joue le personnage Elsinia, donc une elfe sur Donjons et Dragons 5. Elle va vous présenter son personnage. Alors c'est un one shot un petit peu particulier. En fait, elle va faire qu'une séance avec nous aujourd'hui, et le but étant de présenter son personnage afin que ce personnage intègre la campagne The Horde of the Dragon Queen avec le reste du groupe avec lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant. Il restait une place, on a eu plusieurs demandes, hein, voilà, au niveau des emplois du temps et tout, on a réussi à caler quelque chose, ça va le faire. Elle a créé un très beau personnage, et par contre, elle est néophyte, elle n'y connaît rien du tout, notre amie Elodie. Donc elle est vraiment intéressée par l'univers, ça lui trottait à la tête depuis un moment, on a discuté pas mal. Et voilà, donc grâce à Erwell qui l'a beaucoup épaulé, on a pu. Et tu as pris des règles et tout, donc c'est formidable. D'ailleurs, il est avec nous en spectateur, Erwell, ce soir. Salut. Bonjour. voilà, elle est prête et j'espère que... Enfin, j'espère pas, je suis sûr que ça va bien se passer. On va passer un bon moment, on va expliquer les règles, on va reprendre tout au début. C'est une vidéo qui servira aussi de base aux nouveaux joueurs et surtout ceux qui veulent faire un ranger, puisqu'il s'agit d'une elfe ranger. Voilà. Et ben bonsoir Elodie, bienvenue. Bonsoir. Alors... Donc, au niveau de ton background, tu es quelqu'un d'assez secret. Tu n'as pas, apparemment, pas envie d'en parler, parce que tu as une histoire très très sombre, très difficile. Et ce que l'on peut révéler, c'est que tu es presque à l'âge adulte aujourd'hui. Tu as 92 ans. Donc, pour les elfes, c'est très jeune. Hein, c'est très proche de l'âge adulte. Et ça fait quelques années que tu te balades, que tu as quitté ton foyer, hein. T'es parti à l'aventure et tu es complètement débrouillarde, hein. Tu as un background de Outlander, donc ce qui veut dire que tu fuis la civilisation d'après ce que tu as choisi. Tu es très débrouillarde dans la forêt, tu peux te dépatouiller toute seule, et t'as appris à vivre un petit peu comme une sauvageonne, quoi. T'es vraiment débrouillarde et tu tires à chaque fois ton épingle du jeu dans la forêt, hein. J'ai vu que dans tes habilités, ton natural explorer est sur la forêt, donc tout ce qui est dans les forêts, tu gères, quoi. C'est ton background. C'est bien ça? Je me trompe pas? Jusque là, oui. Ça. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Je te laisse présenter ta race, ta classe. Pourquoi t'as choisi ça? Tu veux en parler un petit peu? Elle fait des têtes. Ah ah. Pourquoi déjà t'as choisi un ranger? Ça te plaisait de... Pourquoi elf? Parce que j'aime les elfes, déjà. Pour leur physique, je suppose. Oui. Ouais, c'est vrai que les elfes ont... C'est tout de suite ce que l'on remarque, hein, sur Donjons et Dragons. C'est vrai que les elfes, comme dans beaucoup de jeux de rôle, ont une... Bon, c'est vrai que physiquement, ils ont un très haut charisme, ce qui donc ils ont beaucoup de charisme, ils sont souvent très beaux. C'est vraiment des très beaux personnages. Et les oreilles. D'ailleurs, ils ont des belles oreilles pointues. Et oui, donc là, on peut voir, hein, elle est sur son portrait, quand on ouvre sa fiche perso, voilà, oui, elle a un beau visage, on voit que c'est une belle femme elfique. Donc c'est une elfe des bois, c'est bien ça. Hein. Oui. Ouais. Ok. Alors pourquoi la classe de ranger? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette classe-là? Parce que ça m'a inspiré. Ça t'a inspiré, c'est ce que t'as préféré en regardant toutes les classes? Oui. C'est ce qui t'a le plus, d'accord. Je pense qu'on peut épiloguer un peu. On a regardé récemment Le Seigneur des Anneaux. Donc,
Voilà, y a un beau Legolas là-dedans, y a pas mal d'armées elfiques avec des beaux arcs et des choses comme ça. Je pense que ça l'a bien attiré. Ah bah oui, c'est sûr que Orlando Bloom, il est bel homme, hein, donc forcément ça marche bien. Il y a une superbe elfe en plus dans les trois premiers épisodes là. Comment elle s'appelle, l'archère elfe là. Je me souviens même plus de son nom. C'est dans le Seigneur des Anneaux? Non, pas dans le Seigneur des Anneaux, justement dans les trois Ah, premiers le nom épisodes. Dans Bilbo? Ouais, dans le Hobbit. Comment elle s'appelle, l'archère elfe là, qui est super jolie. Moi, je ne sais plus. Enfin, vous voyez de qui je veux parler, hein. L'actrice brune là. Non, Retrouver vous ça voyez parce que pas. ça va Il n'y a que me... moi qui vois. Il n'y a que moi qui vois. Elle est elfe, hein. Ah Rassure-moi, il me oui, semble qu'elle est okay. elfe. Mais je me Hein. Oui, souviens elle est plus bien, elle. du Hein. nom. Ouais. Voilà. Bon, on est un peu sur ce type de personnage. On est sur une archère elfe. Donc, si on explique un peu les règles de ton perso, Elsinia, elle a. Donc, tu as choisi tes statistiques. Donc, tu as 14 en force. Tu as 16 en dextérité. Donc, une très haute dextérité. Donc, tu es très habile. Autant dans tes mouvements. Oui, Shay, pardon. Liv C'est Shay qui est Tyler. avec nous ce soir. Liv Tyler, tout à fait, c'est Liv Tyler. Oui, c'est. Non, c'est pas Liv Tyler. Non, 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 c'est pas elle que je parle. Tu parles de C'est pas laquelle? Liv Tyler, je parle de la brunette dans Le Hobbit. Dans Le Et Hobbit. amoureuse d'un nain. Je parle pas de la blonde, la princesse blonde, c'est vrai qu'elle a. Ouais, Elle elle est aussi, la elle classe. Ah oui, elle a la classe Adalas, hein. Ça rigole pas du tout. Bon, toutes les elfes sont jolies, hein, de toute façon, comme d'habitude. Et là, on peut voir que tu as un charisme de 12, donc tu es d'un. Tu as une note correcte. Donc voilà, je regarde tes notes, il n'y a que 10 en intelligence. Donc t'as pas inventé l'eau chaude, mais t'es pas une gourde non plus. Hein, donc voilà, c'est léger, 10 c'est léger, surtout pour l'époque, hein, parce qu'à cette époque-là, bon, être intelligent c'est assez subjectif, hein, et bon, quand t'as 10 d'intelligence, t'es vraiment dans la moyenne. La moyenne des classes-là sont assez basses en cette période moyenâgeuse, quoi. Donc voilà, ta constitution est de 12, donc t'es assez fluette. Hein. Musclé, mais assez fluette quand même. Par contre, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que tu as une dextérité de 16. Hein, je rappelle, et que pour un elfe, c'est normal. Hein, vous êtes très, très débrouillard, très habile, très affûté, très rapide. Tu as un mouvement de speed de 35. Tu peux te déplacer de 35 pas sur la carte. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide. Je pense même ne pas avoir vu autant de mouvements parmi d'autres aventuriers. Dire que C'est c'est très, lié très à la rapide. race aussi. Voilà, c'est lié à la race. C'est les elfes des bois qui peuvent se mouvoir à 35 feet. D'accord. Donc bah justement sur cette page-là, on peut voir, hein, en cliquant sur cliquer sur elf, et là vous avez tout le détail, et vous verrez toutes les races, pardon, toutes les règles de la race. Alors ensuite, tu as une bonne armure. Une armure de 15 naturelle, malgré que tu portes une armure de cuir assez légère. Vu que tu as beaucoup de dextérité, tu as augmenté énormément ton armure. En fait, tu te défends très bien avec tes armes et ta vitesse pour pouvoir esquiver plutôt que ton armure réelle, quoi. Donc c'est une chose, c'est intéressant. Tu as très peu de points de vie, mais c'est normal. On a une base de 11 points de vie, donc ça peut aller très vite. Il faut faire très attention. Et est-ce que tu sais quelle arme tu as choisie? Avec quoi tu souhaites combattre? Avec l'arc long. Ok, t'as pris un arc long. Je regarde sur ta fiche, en effet. Ouais, je vois que t'as un arc long et une épée. Ok, donc principalement à l'arc tant que tu peux. Et puis après, bon, si t'as pas le choix, tu sortiras donc l'épée. Très bien. Donc l'arc long, oui, c'est un très bon choix d'arme. Hein, surtout pour les rangers comme toi qui sont toujours à distance. Ok, donc je vois que tu as un carquois de 20 flèches, je regarde ton. Ok, tu as un petit peu d'or avec toi, voilà, tu as des rations, tu as l'air d'être vraiment
T'as l'air d'être débrouillard, t'as un peu tout ce qu'il faut, t'as une épée, un bouclier, t'as un carquois, des flèches, ok, un sac à dos. Donc c'est quand même assez, assez simple, quoi. Une gourde de flotte, hop, trois torches, ok, ouais, vraiment un départ assez standard. Il n'y a pas de surprise particulière. Au niveau des skills, je vérifie. Donc tu es doué en athlétics. Tu es plutôt une athlète, hein. Tu es capable de soulever, de te soulever, de bondir assez haut. Enfin voilà, tout ce qui est athlétique, tu te débrouilles. Tu es doué en perception. Donc, tu es capable de chercher quelque chose en général. Ça pourrait être un type de monstre, ça pourrait être un type d'objet, ça pourrait être chercher un passage, ça pourrait être chercher voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Tu es très doué en stealth, et là tu as une énorme note. Et le stealth, pour les anglophobes, hein, c'est la capacité à se cacher. Le camouflage. Le camouflage, tout à fait. C'est excellent. Parce que tu as un bonus de plus 5 sur ton jet de dé pour te cacher. Donc tu peux vraiment te cacher avec très grande facilité. Sachant ouais. que Et déjà, puis... elle a aussi le même truc qui est dans la natural, je sais pas quoi là, le truc dans son truc naturel là. Enfin, qu'elle est dans, en gros dans son. Merde. Dans la zone naturelle qu'elle favorise, parce qu'elle peut choisir ouais. un type de terrain où elle est c'est ça. Habituée à se mouvoir, elle peut se camoufler plus facilement dans différents types de soit d'événements météorologiques ou qu'est-ce que c'était quand il y a très peu d'ombre aussi. Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est ton job qui te permet d'avoir ça. On va le détailler. Je finis juste avec les skills. C'est survival le dernier. Et pour l'aparté, c'était Toriel, l'elfe. Ouais, c'est Toriel et c'est Evangeline Lily. Ouais. Exactement, merci Chahi. C'est Evangeline Lily. Ouais, qui avait joué dans Lost notamment. Voilà, donc c'est à elle que je pensais. Voilà. Donc le dernier skill que tu possèdes, c'est survival. Et ben le jet de survival, ça sert à dépatouiller quand t'es toute seule. C'est par exemple voilà, tu es tout seul dans la nature, tu dis je veux passer la nuit là, je vais te dire ouais ok, par contre le milieu est un peu hostile, faudrait que tu arrives à te débrouiller toute la nuit, tu me fais un jet de survival, et si tu le réussis, tu pourras passer la nuit sans encombre, c'est-à-dire aller te faire un petit feu de camp avec un petit lit, enfin voilà, tu peux survivre la nuit, aller pêcher ton poisson, la nourriture. Voilà, aller se débrouiller pour aller pêcher 3-4 coquillages, etc., etc. Ça, c'est un exemple comme un autre. Voilà, c'est du survival. Voilà pour tes skills. Donc je reviens sur ce que Erwal disait, hein, c'est juste, c'est pour le stealth, c'est pour te cacher. Si on regarde tes aides, les rangers ont un Natural Explorer sur ta fiche, si on prend ta fiche personnage dans habilité. D'ailleurs, je sais pas si Chahé est là, s'il peut l'afficher. Oui. Ouais, tu peux l'afficher si tu peux prendre l'onglet habilité. Fait. Merci, c'est gentil. Le Natural Explorer, voilà, entre parenthèses, forêt. Donc ça, c'est ton job qui te file ça, Elsinia, pardon. Ça va être dur, hein, par contre. Il va falloir que j'arrive à pas me tromper dans les prénoms. Donc, tu avais le choix entre entre Arctic, Coast, Desert, Forest, Grassland, etc. Tu as choisi Forest parce que de ton background, tu es né dans le milieu de la forêt. Tu as choisi celui-là et ton père t'a entraîné dans cette forêt. Voilà, on n'en dit pas plus sur ton background, on verra plus tard. Voilà, tu as choisi ça, donc tu gagnes les bénéfices qui sont listés.
Donc les terrains difficiles ne te ralentissent pas lors d'un voyage. Si tu traverses une forêt de fond en comble, tu as un grand voyage à faire. Alors ça ne compte pas sur le plateau de jeu en combat. Hein. Là, c'est un terrain difficile, reste un terrain difficile et ça divisera par deux ton mouvement. Cependant, lors d'un voyage, je parle bien d'un voyage, hein, tu prends ta bourrique avec toi, tu veux traverser toute une forêt ou tu montes sur un petit canoë, tu veux naviguer au travers de la forêt, te balader entre les marécages et tout ça, les Everglades, toi tu n'es pas ralenti alors que d'autres parcourraient la moitié de ta distance sur le même temps. Voilà, autre chose que ça t'apporte, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, le dernier point là je lis, il est très intéressant, while tracking other creatures, you also learn their exact number. Quand tu prends en chasse un groupe de créatures ou tu essayes de traquer hein, des créatures ou des personnes qui marchent, qui te précèdent, en voyant leurs traces de pas, en voyant les traînées qu'ils laissent, les déchets qu'ils peuvent laisser sur la route, etc., tu es capable de quantifier le nombre exact de personnes qui sont parties devant toi, leur taille, leur poids, selon les traces qu'ils laissent. Enfin, t'es vraiment débrouillarde, quoi. Et ces skills-là vont encore augmenter au level 6, au level 10. Donc plus tu vas évoluer dans le jeu et plus tu seras capable de débrouiller en forêt. Voilà. C'est dans différents. Ça, c'est en fait, tu peux choisir d'autres éléments, je crois, au niveau 6 et 10. C'est pas. Tu as raison. Ouais, tu as raison, Erwan, merci. Ouais. You choose additional favor turn. Donc tu augmenteras ta capacité à avoir ces habiletés-là sur d'autres types de terrains au level 6 et au level 10. Donc ça, c'est expliqué, c'est réglé. Je me suis pas trompé, Elsinia. Ça va? Oui, ça va. On est bon? Ok, ça va. Eh bah parfait. Eh bah ça, je pense que tu veux nous dire aussi, j'ai vu que t'as une autre ex, c'est ton ennemi favori. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Un petit peu. Bah c'est tout ce qui est animal, ours. Ouais, d'accord. T'as choisi un type de créature, c'est les bêtes. Donc ouais, les ours, les loups, les chauves-souris, enfin tout ça. Et ça t'apporte quoi par rapport à ça? Est-ce que tu te souviens? C'est compliqué comme question. C'est vrai que c'est compliqué. Oui. Je suis en train de lire les règles. Ouais, en effet. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je me rappelais plus. Je regarde. Alors, ça commence dès ton level 1. Ouais, tu as une grande expérience d'avoir combattu contre ces animaux-là. Et je vois que tu es complètement doué pour aller les chasser. Pardon. Si tu veux parler et communiquer avec eux, tu peux choisir un type d'ennemi. Donc, tu apprendrais leur langage. Donc, naturellement, là, c'est les animaux. Tu as choisi les animaux, donc il n'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage animal. Mais tu sais, c'est la question. Oui. Parce que il y a quand même des sorts magiques qui permettent de communiquer avec les animaux. Ouais. Et ça, on pourrait pas considérer ça comme ça ou c'est ça a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas de langage. Alors est-ce que. Ah. Ouais, je sais, mais là c'est pas que ça, c'est aussi être capable de communiquer avec eux sans langage. Dans la gestuelle, t'es capable de peut-être d'amadouer un ours ou un loup, alors que quelqu'un d'autre ne pourrait peut-être pas forcément le faire. Tu es capable de les traquer, de les chasser. Enfin, tu peux peut-être alors te que faire le sort lui permet juste de parler, quoi. Oui. Ok. Voilà, et au level 6 et au level 14, tu auras pareil deux nouveaux types d'ennemis. Voilà, c'est à peu près tout ce que cela t'apporte. C'est déjà pas mal pour un personnage level 1, ça connaît. Voilà. Bon, on va pas tergiverser pendant des heures. On a fait à peu près le tour de ton personnage. On a bien compris. On va essayer de commencer. Alors surtout, Elsinia, si tu ne comprends pas ou tu hésites sur certains points de règle, n'hésite pas à m'arrêter et on reprend calmement et on essaie d'expliquer. D'accord. Donc tu as quitté ton foyer. Il s'est passé une paire d'années. Tu t'es un peu baladé dans la région. Alors on peut le dire, tu es sur la côte des épées.
T'es sur la côte des épées, t'es dans la grande forêt centrale de la côte des épées. Tu on verra ça plus en détail carte, lors de ton background. Général pour ou, essayer de ouais, montrer à peu près où ça se situe sur Ferin. Ouais. Par contre, je dois pas avoir la côte des épées sur le plateau là. Faut que je recherche. Ah. C'est vrai que je comptais sur son background vidéo, mais vu qu'on le montre pas là, il me le faudrait. Je vais récupérer cette. Oui, d'ailleurs, Nerol, là, pendant que tu cherches favorite ennemi, elle a l'avantage, donc elle chasse les animaux donc en survival, tu sais. Quand elle traque des animaux, qu'elle a en ennemi favori. Donc ça se combine avec le fait qu'elle soit déjà. Oui, douée. En survival. Donc, ouais. Ça fait. Oui, t'aurais l'avantage sur. T'aurais des grands avantages à utiliser ce genre de choses. Voilà. Ce skill, non, c'était. Tu as l'avantage pour traquer les ennemis. Oui. C'est un jet de survival. C'est un test de survival. Ouais. Mais comme en fait elle est déjà proficiente en survival, du coup pour les traquer, elle est vraiment OP. J'ai retrouvé la map. La map de la. Donc, si on l'agrandit un petit peu. Par contre, la résolution, elle est pas job, bon, c'est pas grave, on va quand même réussir à se dépatouiller. Si on regarde. De toute façon, c'est très facile à voir. Vous voyez The High Forest, qui est en plein centre. Nord à l'est de Haut Profonde, hein, à l'est de Neverwinter, il y a une énorme forêt en plein milieu de la map, The Hide Forest. Voilà, donc tu es né dans cette zone là, tu as vécu toute ta vie dans cette grande forêt qui est principalement peuplée d'elfes. Hein. C'est... Et c'est, ouais, c'est le refuge des elfes des bois. Elfique. Ouais, c'est le refuge des elfes des bois. Alors aujourd'hui, tu es tout en bas à gauche de cette. Donc à la pointe, à la lisière de la forêt. Donc il n'y a aucune civilisation, il n'y a vraiment aucun grand village autour, c'est que des campements et des petits villages de. Ça coupe et justement, tu. Pardon. Il y a plein de petits villages de paysans, pardon. Et c'est à cause du Morvox, c'est vrai qu'il faut que je maintienne un peu plus longtemps. Il y a des petits villages de paysans, etc. Il n'y a pas de grande civilisation. Et donc, tu te retrouves ici, après avoir quitté, ça fait déjà plusieurs années que tu as quitté ton foyer. Et tu t'es dépatouillé toute seule, t'as appris à bourlinguer, à chasser, etc. Tu as été accueilli il y a plusieurs semaines dans un petit village, tout petit village. De paysans qui est très très particulier. Je vais te donner une photo. Tu t'es arrêté ici parce que tu as discuté avec 2-3 villageois pendant ton voyage et tu as trouvé un accueil chaleureux et quelque chose t'a plu. Je vais te montrer tout de suite. Ça doit pas être ça que tu voulais linker ici. C'est pas ça que je voulais. Ouais, non, pardon. Je l'ai fermé. Hein. Merci. C'est la photo du village elfe que tu as trouvé à la bordure, à la lisière de la forêt. Elle la porte. Celui-là, elle la porte. Faut que tu le recharges. Là, tu peux le recharger. Non. Voilà, c'est relancé. Est-ce que tu c'est en chargement.
c'est un peu long. C'est du 1200, c'est du combien? Non, non, c'est tout petit en plus. Chavi, tu l'as déjà? Ouais, mais c'est du 4K, hein, donc on a du mal à télécharger. Voilà, c'est bon. Tu as l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais préload les autres images, ce sera. Ouais. Voilà, ce sera plus simple en faisant comme ça. Donc, tu as trouvé ce petit village, village suspendu elf, et tu as trouvé ça très 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 joli, très à ton goût, tu as été très bien accueilli par les villageois. Et ça fait plusieurs semaines que tu vis avec eux, en communauté, donc tu participes un peu aux tâches du village. Voilà, t'es ami avec tout le monde, hein, tu fais ta popote, hein, les jours passent. Après quelques semaines, tu vas participer à un événement assez exceptionnel dans le village. C'est la récolte des gros berries. Des gros berries, je vais te l'écrire. Voilà, des gros berries, ce sont des espèces de baies, ça ressemble à des fraises géantes. C'est quelque chose d'exceptionnel, ça paraît con comme ça, mais ce sont des fruits qui ne poussent que dans cette région de la forêt, et tu n'en trouves que à cet endroit-là, sur la côte des épées. Et ce fruit a quelque chose de particulier, c'est que les elfes de ton village sont capables d'en extraire le jus et de faire des potions extrêmement puissantes avec, et c'est ce qui fait vivre le village. Par contre, ce fruit ne pousse qu'une fois par décennie, tous les 10 ans. Il ne pousse que tous les 10 ans. Donc je te promets qu'une goutte de ce fruit se vend une blinde. Ça vaut de l'or. C'est de l'or en bouteille. Donc chaque fruit est pesé, quantifié, il est mis de côté. C'est pressé juste après et ils en récupèrent absolument tout. Et tu as participé à ce prélèvement. Tu as été cueillir ces fruits-là et tu as été heureuse de participer à cet événement-là, et les fruits sont stockés pendant un petit moment avant d'être pressés. Cependant, tu te fais interpeller quelques jours plus tard. Une des personnes est horrifiée dans le village, car une partie de la récolte a disparu pendant la nuit, et les villageois t'expliquent... Tu fais donc le tour du village, hein, et tu comprends vite que les fruits, des cambrioleurs ont été aperçus, hein, et apparemment c'était difficile, hein, parce qu'il faisait nuit, mais bon, les elfes, vous avez une vision nocturne, vous pensez avoir vu des espèces et entendu des espèces de grognements, et pour les gens du village qui ont quelque chose à t'apporter comme indice, ce serait des peaux vertes. Ce serait des peaux vertes et ils se seraient enfuis vers le sud du village. Et de ça, il y a de ça quelques heures, quoi. Donc c'est très frais. Et ils sont partis vers le sud et ils ont été s'enfoncer un petit peu dans les bois sud-sud-est, quoi. Voilà, c'est tout ce que tu arrives à glaner comme information. Et toi, tu sembles bien décidé... Enfin, t'as été vraiment bien accueilli et tu sembles particulièrement touché par cet événement. Et est-ce que tu serais prête en fait à essayer de partir en chasse, hein, pour retrouver ces cambrioleurs et surtout retrouver ces fruits là qui pourraient t'aider? Ah bah oui, j'y vais, mais qu'est-ce que c'est des peaux vertes? Qu'est-ce que c'est des peaux vertes? Les peaux vertes, ce sont, si tu regardes le Seigneur des Anneaux, ce sont des types de races. Tu peux mettre dans les peaux vertes, si tu regardes le Seigneur des Anneaux, tous les orques, les gobelins, les hobgoblins, tous ces types de créatures qui ont des peaux jaunâtres, vertes. Tu
C'est tous ceux qui sont dégueulasses dans le Seigneur des Anneaux. Tous ceux qui sont dégueulasses. Ils ont aussi les. Bon, ils ont les Uruk-hai, mais bon, c'est particulier au Seigneur, c'est Tolkien. Hein. C'est quelque chose de chez Tolkien, donc dans le Donjon et Dragon, c'est d'ailleurs, ouais, j'ai appris, c'était un mélange entre les orques et les gobelins. Ça ressemble au hobgoblin en fait. Hein. Ouais, mais c'est un mélange. Enfin, du récit en fait, il dit c'est un mélange entre les gobelins et les orques qui leur permet en fait de se déplacer la journée, sans être trop dérangé par le jour. Quoi. C'est vrai. Ok. Bon, voilà. Bah écoute, si t'es OP, y a plus qu'à y aller. Donc tu prends la décision de suivre, de partir sud-est. Donc tu te retrouves en pleine forêt. T'es en pleine forêt, là, essaye d'imaginer, hein, ferme les yeux, prends un peu de temps. Tu cherches un groupe d'ennemis, de cambrioleurs, qui vient de passer quelques heures devant toi. Tu es dans les bois. Tu sais qu'ils sont partis sud-est. Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Sachant que tu es très doué dans les bois, qu'est-ce que tu ferais pour essayer de traquer ces monstres ? J'essaye de trouver des indices, Ouais, t'essayes de chercher des indices. Quel type d'indices ? Des traces, des traces de pas ou... Oui, surtout des traces de pas. D'accord. Alors pour cela, tu... Ça coupe. Pour cela, tu dois avoir sur ta page personnage un listing de skills. Si tu ouvres ta page personnage, tu as tu vois sur la gauche, tu as les habilités et sur la droite, tu as un onglet skill. Ouais, mais c'est bon, elle est dans le bon truc là, elle est dans les skills. Ouais, t'es dans le bon truc, d'accord. T'es dans les skills, tout en bas, tu as le jet de survival. Ça, c'est. Le jet de survival sert à faire une recherche pour traquer des personnes dans la forêt. Donc, ça, tu es doué pour faire ça. Donc, tu peux faire un jet de survival. Alors, il faut le faire dans la tour. Ouais, qui n'est pas là. Tour, je peux pas afficher. Pardon, je vais t'afficher la tour tout. La belle tour! La voilà. C'est bon, tu la vois. Ok, merci. Nickel. Donc tu arrives assez facilement à voir les personnes qui ont volé les Groneberry, ils ont pas fait dans le détail quoi. Ils ont volé les trucs et ils sont partis comme des bourrins direction est. Ils sont partis plein est, en plein milieu de la forêt. Et ils sont partis, ils s'enfoncent dans la forêt quoi. Ils ont l'air de rattraper. Tu sais qu'il y a une route qui passe le long de la forêt et ils sont passés, ils ont traversé la route et ils ont été tout droit vers là-bas. Ils ont cassé des branches à gauche, à droite. Ils ont laissé des morceaux de vêtements. Tu vois que les traces de pas, t'arrives à voir qu'il y a une paire, au moins 5-6 personnes qui sont parties en avant. Ils étaient au moins 5-6, un petit groupe. Hein. Et tu arrives nettement à les suivre et tu peux suivre ces traces de pas sans aucune difficulté si tu le souhaites. Oui, je le souhaite le faire, oui. Ok. Donc, tu te mets en route, tu suis ce groupe et tu arrives. Ça fait bien une heure et demie, deux heures hein, que tu marches, que tu suis ces traces de façon furtive et tu arrives un an. Et tu rejoins tu arrives à un embranchement, pardon, et tu rejoins une route. Je vais te partager ça. Voilà. Est-ce que tu vois ça ? Oui, je le vois. Tu as la map. Ok, tu as la map. Tu arrives complètement sur le côté ouest, donc à gauche de la map.
complètement à gauche de la map, par ce sentier-là. Tu arrives ici, et il te semble entendre des voix, et tu détectes rapidement, il se cache pas, tu vois un groupe de gobelins. Tu les vois de loin. Tu vois des gobelins qui sont près d'un... on dirait des espèces de ruines gobelines où tu sais pas trop, ils ont mis des têtes d'animaux avec des ossements, ils ont fait un espèce de cercle. Tu te demandes s'il n'y a pas un chaman dans l'eau ou n'importe quoi, tu as du mal un peu à savoir ce qui se passe là-dedans. Mais tu entends clairement ces gobelins qui discutent, ils marmonnent des trucs. Tu es très loin, c'est pas très clair pour toi. Mais en tout cas, tu as un visuel sur eux et eux ne te voient pas pour l'instant. Donc, je vais te positionner sur la map et je vais te montrer où ils sont. On va faire ça ensemble. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu vois les monstres sur le plateau ? Est-ce que tu te vois ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, bah c'est parfait. Donc là, tu es tout à gauche. Là. Tu es pour l'instant... Bon, t'es en plein milieu du chemin, mais t'as bien compris qu'il ne t'avait pas vu. Il y a un premier gobelin qui est sur la partie sud, au milieu de la map, là. Il a l'air de... Bon, je sais pas trop, hein. C'est un gobelin, hein, donc faut pas trop se demander qu'est-ce qu'ils font. Ils ont la puissance de concentration d'un furet, hein, donc ils sont pas très très fut-fut. Oh ouais, le furet c'est très intelligent. Ah oui, c'est vrai que t'aimes bien les furets, toi. voilà, donc, il est un peu plus doué qu'un furet, celui-là, mais bon, il a un bâton dans la main. Oh. Et il a un bâton dans la main et il tape le tronc d'arbre avec son bâton. Sans arrêt. Il prend son bâton et il tape l'arbre. Il tape l'arbre et il a l'air de regarder s'il n'y a pas des pommes qui vont tomber ou quelque chose. Quoi. Mais bon, il a une petite baguette dans mais la main. Mais c'est un chef. C'est un gland qui tombe. Ça a l'air de... Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est un gland, hein, comme lui. Là, il a vraiment beaucoup... Enfin, tu t'es même ébahi par autant de... Tu te dis, mais c'est pas possible que ce soit lui qui ait volé les fruits, quoi. Il est con comme un meuble, hein. Ça se voit tout de suite, hein. C'est affreux. Enfin, bref. Tu as lui, et tu as les deux autres. Bon, là, ils sont un peu plus loin. Tu les entends, ils ont l'air de parler. Ils sont quand même très loin, mais bon, c'est assez dégagé. Tu les entends, mais tu sais pas du tout ce qu'ils font. Et les deux là-bas ont l'air un peu plus sérieux. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Sachant que tu n'es pas vu pour l'instant. Je me rapproche en restant discrète. D'accord. Alors, pour rester discret sur Donjons et Dragons, ce que je peux te proposer, c'est d'essayer de te dissimuler, de te cacher. Ça s'appelle un jet de stealth. Et j'avais vu que dans tes skills tout à l'heure, quand on avait présenté ton personnage, tu as de bonnes chances de te cacher, surtout en forêt, parce que tu es... C'est ton trait de ranger. Donc en forêt, tu as vraiment très peu de difficultés à te cacher. Et on pourrait tenter un jet de stealth. Et comme ça, tu serais complètement furtive. Et tu pourrais t'approcher sans grand risque. Bon, on va tenter ça. Donc tu prends ta fiche perso. Tu vas dans skill. Et tout en bas, tu dois avoir le jet de stealth. Pareil, tu fais ce jet-là dans la tour. D'accord. Très bien, merci. Donc moi je vois ton résultat, toi tu ne le vois pas. Donc je sais tu as combien de pourcentage de chances de te cacher. En fait je t'explique les règles, comme ça tu le sauras pour la prochaine fois, et nos viewers aussi. Tu as fait un G, je te donne un exemple. Admettons tu as fait un résultat de 15. D'accord. L'ennemi a sur sa fiche perso, et comme toi d'ailleurs, sur ta page principale, prends ta fiche perso, tu as une note de perception. Est-ce que tu vois ta perception? La perception passive, on appelle ça. Est-ce que tu peux voir sur ta fiche ta perception? Je lui disais de revenir sur le premier onglet. Ouais, reviens sur ton onglet main. Est-ce que tu vois à peu près en milieu de fiche, dans tes sens, tu as une perception? PERC, c'est marqué, en plein milieu. Alors tu as combien toi? 13. Tu as 13. Alors,
toi, tu es capable de voir n'importe qui est dissimulé autour de toi, qui a fait un score de 13 ou moins. C'est-à-dire que naturellement, t'es assez doué. Si quelqu'un se cache à côté de toi, t'as quand même ton subconscient, ta perception passive, tu arrives à entendre, ton cerveau est pas à l'arrêt complètement, quoi. Alors que le gobelin qui est en train de mettre des coups de baguette sur le tronc d'arbre en bas, lui, sa perception passive, ça m'étonnerait qu'elle touche 13. Hein. Ça m'étonnerait fortement. Lui, lui il est à 2. Hein. Lui, c'est une catastrophe. Hein. Lui, d'ailleurs, j'ai une question, Nérolf. On peut lui passer autour, il voit rien du tout. Oui, dis-moi, Nérolf. Le chiffre là, de perception, il est lié à quelle stat, s'il est lié à une stat? La dextérité accroît la perception, il me semble. Il me semble que c'est la dextérité. On peut faire un test, regarde, je vais augmenter la dextérité du perso. Pas du tout, c'est pas lié à la dextérité. Ouais, non, mais tu peux laisser à 20, c'est bien. Tac. Alors la perception, ce serait quoi? Ce serait l'intelligence. Et... Oh, la question à deux francs. Ah bah c'est intéressant. La question à deux balles qui me pose un petit problème. La perception, écoute, elle est peut-être... elle est fixe, il me semble. Mec, c'était quand même lié à quelque chose. Bon, ouais, peut-être wisdom, on peut essayer. C'est ça. Mais oui, c'est au wisdom. D'accord. Ok, bon bah la wisdom, c'est la sagesse. Plus t'es sage, plus t'arrives à percevoir des choses. Pourquoi pas? Ouais, moi c'est pareil, j'aurais mis par rapport à l'intelligence, je pense. Ouais, c'est assez particulier. Enfin bon, pourquoi pas. Donc là, le gobelin du bas, il est pas très sage. Hein. Et parce que sa perception, elle est extrêmement faible. Donc je vais pas te révéler ton jet de dés, parce que même si le gobelin du bas a une perception extrêmement faible, admettons, il est mauvais, il a une perception de 6. Si toi tu as fait 7 sur ton dé, il peut pas te capter. Il va pas faire. Pas. Il va. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, il va pas te déceler. Tu restes dissimulé en fait pour lui. Tu comprends les règles? C'est compliqué. Ouais, c'est bon, t'as compris. Ok, parfait. Par contre, admettons que le gobelin du bas ait 6 de perception, les deux gobelins du haut, qui eux ont l'air beaucoup plus... c'est peut-être des chamans gobelins, ou c'est peut-être des gens très intelligents, ou très 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 à l'affût, ils ont peut-être 7, 8, 9, 10, ils ont peut-être 13 de perception comme toi. Et à ce moment-là, si toi, sur ton G2D, tu as fait 10... et tu te retrouves à peu près au milieu du camp, celui du bas ne va peut-être pas te voir, mais celui du haut va te détecter. Et quand un seul des ennemis t'a détecté, tout le groupe est alerté automatiquement. Et tu es détecté pour tout le monde, et tu ne peux plus te cacher tant qu'une personne du groupe te voit. Donc se cacher, c'est bien. Donc là, je peux quand même te dire que t'es très safe, hein. Tu risques pas grand-chose, t'es sûr d'être dissimulé par rapport à ce premier gobelin, tu risques pas grand-chose. Par contre, je peux pas te révéler ton jet de dés, c'est à toi de voir si tu te sens capable d'aller plus loin et d'aller écouter ce que les deux autres y font en haut, ou est-ce que tu veux profiter de cette invisibilité, de cette furtivité pour juste approcher du premier, quoi. Voilà. Je m'approche, mais pas trop. Tu t'approches, mais pas trop, du premier gobelin. Donc t'as le droit de te déplacer de 35 pas. Par tour. Donc chaque case sur le jeu mesure 5 pas. Donc je te laisse déplacer ton personnage, sachant que tu as le droit à 35 pas, donc tu peux avancer de 7 cases, sachant qu'une case en diagonale en compte 2, tu peux avancer de 7 cases. Donc ce qui est beaucoup, hein, les autres personnages c'est 6 d'habitude. Donc je te laisse bouger ton perso, il suffit de saisir ton token sur après, le plateau et de l'avancer. On peut lui indiquer qu'en faisant clic droit et clic gauche sur le plateau, elle crée une flèche qui permet de voir le nombre de pas que tu peux parcourir. Ouais, on peut te faire ça, tu maintiens ton clic droit sur le plateau, et tu maintiens ton clic gauche en même temps et tu peux tirer une ligne droite...
d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée pour indiquer 35 pas. Voilà, là t'as fait 95 pas. Donc tu refais la même, hein, à peu près du même point de départ, et tu t'arrêtes à 35 pas. Ah, je t'en ai fait une. 35 pas, tu pourrais aller jusque là, à peu près. Ouais, elle avait du mal parce qu'en fait, elle a cliqué sur son token, il faut cliquer à côté. Ça le décale sinon. Ah oui, d'accord. Oui. Donc oui, tu peux aller, bon, tu peux aller au bout de la flèche blanche à peu près si tu veux te déplacer par là. Ouais. Et du coup, si tu veux supprimer les flèches, tu fais un clic droit dessus. Et tu fais... je sais plus... Pointeur, vas-y, va sur pointeur. Et la flèche, t'as effacé... t'as en haut, là, il y a des croix, ça doit être... Remove ça. This. Voilà. 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 Voilà, très bien. Parfait. Donc voilà, tu as fait ton premier mouvement sur le jeu. Est-ce que tout va bien? C'est bon, tout va bien. Tu t'en es sorti. Allez, oui, c'est bon. Ok, tu as fait ton premier jet. Tu as donc fait ta première action et tu as fait ton premier mouvement. Alors moi, ce que je t'encourage à faire, et c'est quelque chose que l'on a noté avec les autres aventuriers avec qui on joue régulièrement, je t'encourage fortement à jouer roleplay. Le roleplay, c'est jouer comme toi tu l'entends et comme toi tu ferais en prenant vie dans ton personnage. Donc ferme les yeux 2 minutes. Imagine, tu es dans la forêt, tu vois à 100 mètres devant toi un gobelin qui est en train de taper sur un arbre comme un demeuré, et tu sais que 200 mètres plus loin, tu entends 2 gobelins en train de se chamailler, ils parlent de tu sais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu voudrais faire, sachant qu'il ne faut pas oublier ton objectif primaire, qui est de partir en chasse pour trouver le groupe de personnes qui a volé ces espèces de gros berries. J'essaye de voir où qu'ils les ont cachés. Tu penses que c'est eux? Tu voudrais t'approcher encore pour essayer de détecter où ils ont caché ces fruits. Ok. Tu as l'avantage. Je vais te laisser libre avec ton personnage. Je te laisse avancer jusqu'où tu veux. Tu peux même dépasser ton mouvement. On peut dire qu'il se passe plusieurs rounds. De toute façon, le gobelin du bas, il a l'air extrêmement attiré par cette arme. Hein. Et je pense qu'il va taper dessus jusqu'à temps que sa baguette rende l'âme. Parce que il tape. Ah oui, enfin même une fois que sa baguette va être cassée, je pense qu'il va secouer l'arbre. Hein. Il a l'air. Il l'aime bien celui-là. Il l'aime bien, ça se voit. Franchement, Nérol, t'aurais dû faire gobelin dans une autre vie. Ah ouais, je. C'est mon pseudo, hein, roi des gobelins. Moi je les connais bien, hein, les petits gars. Je sais quand. Il a l'air bien lui, hein. C'est un bon. Tu peux te déplacer, hein, Elsinia. N'hésite pas à déplacer ton token. Tu te mets où tu veux, tu te caches où tu veux. Tu peux te déplacer, tu fais comme bon te semble. Eh ben, carrément dans les arbres. Ok, je te positionne ici. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu es à peu près dans la même configuration. Tu sais que les deux d'en haut sont en train de parler. Ils discutent. Ils ont l'air d'organiser l'hôtel autour duquel ils sont situés là. Ils ont l'air de pousser un petit peu les cailloux. Ils en ont, à ton avis, ils en ont pour une paire d'heures. Hein. Parce qu'il y a une paire de cailloux à bouger, c'est de la grosse caillasse. Ils se mettent tous les deux, ils essayent de porter les pierres, ils essayent de faire un cercle à peu près concentrique autour de cet hôtel. Et le gobelin du bas, ben, il est concentré, hein, il est concentré, toujours pareil, il tape. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'essaye d'écouter leur conversation.
tu souhaites écouter leur conversation. Tu es un peu loin. Je t'avouerai que tu es un peu loin pour essayer d'écouter leur conversation. Si tu souhaites l'écouter, moi je te propose de te rapprocher. Tu peux passer dans les arbres. Tu es assez doué pour te balader à l'intérieur de cette forêt. Je pense que tu peux aller... Ouais, voilà. Écoute, en te plaçant ici, tu vois que les deux gobelins communiquent. Et tu as de la chance qu'ils ne parlent pas en goblinoïde. Ils ne parlent pas en goblins, pardon. Malgré que ce soit des goblinoïdes. Ils parlent en commun. Donc c'est un langage que tu comprends parfaitement, hein, sans aucune difficulté. D'ailleurs, c'est vrai que toi, tu parles beaucoup de langage. Hein, je regarde. Tu parles le commun, tu parles l'elfe et tu parles le sylvain. Tu parles trois langues. Tu comprends ce qu'ils disent et ils sont tout simplement en train de parler de l'organisation de leurs travaux pour le rituel des prochains jours pour invoquer une flamme gobeline. Que ce qui les intéresse en fait, c'est de réussir à allumer un feu à l'intérieur de cette tête de squelette qui est accroché en haut de... Tu vois la tête de squelette de l'espèce de cerf là qui a été... de dragon là, oui, on sait pas trop ce que c'est. Ouais, tu la vois. Ah, le but de ces trois gobelins là, c'est d'arriver à allumer une flamme à l'intérieur de ce crâne. Donc tu vois que ça a l'air d'être un grand truc d'état quoi, hein. Ça a l'air vachement important. Hein. Pour eux c'est toute leur vie quoi. Le but c'est de réussir à allumer du feu là-dedans. Donc les mecs, ouais c'est pas le plus grand, c'est pas le truc le plus passionnant de la planète, mais pour eux ça a l'air important. Ils aimeraient bien allumer du feu là-dedans. Voilà, ils sont vraiment concentrés là-dessus. Hein. Donc faut que les cailloux soient bien mis, faut que ce soit bien arrondi, faut que ce soit bien concentrique. Enfin, tu te dis, mais putain, toi, quand t'entends ça, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils sont. Oh là là, ils sont graves, quoi. C'est complètement attardé, quoi. C'est des gobelins. Ils sont cons comme des meubles. Qu'est-ce que tu souhaites faire? T'es perdu? Je te sens perdu. Tu réfléchis. C'est une bonne chose. Parce que ça me fait bizarre, parce que quand je joue avec les autres aventuriers, ils agissent et après ils réfléchissent. Alors là c'est l'inverse. À la base, c'est bien. Ça fait... Tu peux faire l'inverse. T'as tout à fait le droit. Je suis expérimenté. Moi, j'arrive à vite répondre maintenant avec Tass et puis avec Tass et Erwald. Y a pas de problème. Avec les deux là qui partent devant, je suis sûr que tous les pièges vont être activés et que tout le monde va être au courant hein, qu'il se passe quelque chose. Hein, y a pas de problème. Hein. Ça, tu prends le temps qu'il te faut, tu réfléchis et tu peux me proposer ce que tu veux. Dis-moi. Essayer de voir où ils sont planqués les trucs qu'ils ont piqués. Les baies. D'accord. Ok. Tu veux t'approcher. Je te laisse te déplacer sur le plateau. Je te laisse te mettre où tu... de là, tu ne verras rien. Tu es vraiment trop loin. Si tu veux t'approcher, faut vraiment... En fait, je pense que tu devrais sortir des arbres pour pouvoir commencer à voir quelque chose. Nerolf, tu es très bien dissimulé, tu ne risques rien, mais oui. On peut essayer d'estimer à quoi ça correspond une partie de la récolte. Ils savent à peu près, elle sait à peu près à quoi ça correspond. Ouais, elle sait à peu près à quoi ça correspond. En volume, ça ferait une bonne caissette. Un bon mètre cube, disons, les fruits sont vraiment très gros. Hein. Alors les fruits, ils font la taille,
la taille d'une tête, quoi. Presque d'un corps ou d'une personne. Hein. C'est vraiment des fraises. Ah oui, non, mais c'est des fraises énormes. C'est des fraises géantes. C'est des baies qui ressemblent à des fraises, mais elles font la taille de, bah, de ton corps. Après, c'est, disons, t'as fait une fraise de 50 cm sur 50 cm. Voilà. Bah, vraiment, quand tu manges ça, ça pingue trop peu. Non, c'est t'es bien, hein, si t'en manges une, t'es pas mal, hein. Donc ça doit être très difficile à dissimuler, et c'est très fragile. Donc, écoute, si tu pourrais les... Tu penses que tu les verrais, d'où tu te trouves, s'ils étaient... si ils seraient posés à côté d'eux, tu les verrais sans aucun problème. Ils sont... De toute façon, un gobelin, c'est pas très grand. Un gobelin, ça fait un mètre de haut. Donc une fraise, ça fait la moitié de la taille du gobelin. Tu te demandes même comment ces trois petits bonhommes ont réussi à porter autant de fraises, quoi. C'est de Groneberry. Apparemment, tu vois rien, Douté, là. Réfléchis à la suite. Ah bah oui, elle a raison. Et puis c'est pas simple d'être toute seule, hein. Quand t'as un groupe et chacun joue à son tour, tout le monde a des idées différentes. Elle est coincée, il y a trois personnes autour, elle a pas d'expérience, ça peut être compliqué. C'est normal. Oui, puis même, enfin, tu vois, quand on faisait notre première partie, on savait pas trop ce qu'on avait le droit de faire, pas le droit de faire. Donc on essayait même pas, quoi, en fait. Oui, et puis la configuration était différente, hein. Vous arriviez, il y avait du feu un peu partout. Le but c'était de survivre, hein, donc généralement on court. Ouais, mais même, là, je veux dire, avant, tu sais, quand on a fait la 3.5, oui. Tu vois, au début. La 2.5. Enfin, la 2.5. La 2.5, on a. Bah oui, c'est toi qui nous disais en fait, bah oui, tu peux faire ça, non, tu peux pas faire ça. Ouais. Bah là, les options que tu as, en fait, pour faire simple, la première, c'est d'essayer de discuter avec ces gobelins, hein, tu peux essayer de discuter, sachant que ce sont des créatures plutôt hostiles. Elles sont très bêtes, mais c'est agressif à souhait. C'est très très agressif. Alors un gobelin qui est tout seul, c'est très gentil. Ça vient de coller aux pattes comme un chat. Faut que tu sois son copain. Mais c'est toujours dans la... Bah, si tu regardes le Seigneur des Anneaux, tu vois un petit peu le caractère de Gollum. Et bah, ils sont un petit peu fourbes comme ça. Hein. Tu vois, c'est des espèces de... Ils sont gentils, mais s'ils peuvent te faire un petit coup de pute, ils vont te le faire. Faut quand même toujours garder un œil dessus. On est un petit peu sur le même caractère. Là, ils sont en groupe. Ils sont trois. Discuter, ça paraît compliqué. Après, tu as vraiment l'avantage, tu es caché, ne te détecte pas. Je pense que tu es capable d'en abattre un très facilement. Abattre les trois ensemble, ça peut être compliqué. Ouais, c'est en ligne droite. Bon, je pense que tu es. Je pense que tu es plus forte. Je pense que tu es plus forte. Non, avec une flèche en ligne droite, les trois. Une brochette. Les trois, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Mais oui, y a pas de. Tu pourrais combattre un gobelin sans difficulté. Et si je tue celui-là qui est complètement abruti, je peux après m'approcher là où ils sont pour voir plus. Ça peut être, sachant que tu es caché là actuellement, tu pourrais, si tu mesures la distance qui est entre toi et lui, regarde, tu estimes la distance à peu près entre 45 et 50 pas entre toi et lui, tu peux prendre ta fiche personnage et regarder ton arc. Je t'invite à prendre ta fiche perso, prendre ton arc dans les actions, c'est l'onglet à droite tout en bas. Et tu regardes ton arc, et tu peux cliquer sur la tête de dragon où il y a ton arc là, et il va te donner le range, c'est-à-dire la distance à laquelle ton arc. Est-ce que tu vois ton longbow avec la tête de dragon? C'est bon, elle est sur la fiche du longbow en fait. Ouais, sur la fiche du longbow. Donc tu peux voir que dans propriété en bas, tu as besoin d'ammunition, tu as besoin de munitions donc, pour tirer, et tu peux tirer jusqu'à 150 pas.
sans difficulté. Et tu peux tirer jusqu'à 600 pas, mais en désavantage. Donc tu peux tirer à super loin, mais en désavantage. Par contre, jusque 150 pas, c'est, tu as aucune difficulté. C'est une arme de type lourde, qui t'as besoin de tes deux mains pour la, t'en servir. Et c'est marqué à côté « Two-handed ». Donc, portée à deux mains, c'est bien ça. Ouais, heavy, c'est une arme imposante, lourde. Quoi. Ouais, lourde, imposante. D'accord, donc c'est bon, ouais. Du coup. Ah mais carrément, t'as trois fois la distance. Tu pourrais te taper trois fois plus loin que ça. Déjà, depuis l'entrée de la route où tu étais, t'aurais pu presque le shooter, quoi, sans difficulté, tellement tu tires loin. T'es vraiment un combattant, enfin une combattante, pardon, qui manie l'arc. Enfin, les longbows, c'est vraiment très dur à manier, mais ceux qui arrivent à les manier, ils sont en fond de table. Et ils peuvent cartonner de très loin, quoi. Donc si tu souhaites, tu peux essayer d'attaquer ce premier. Donc oui, je veux bien le tuer. Elle essaye même pas, elle le tue. Ouais, vas-y, tu le casses la gueule. Il est de dos face à toi, il ne t'a pas vu. D'ailleurs, il n'y a personne qui te voit, tu es caché dans les arbres. Tu peux décocher une flèche. Donc tu bandes ton arc, hein, et tu décoches une flèche et tu le tapes en plein dans le dos. Tu as l'avantage car il ne t'a pas repéré. Et il en est à son 405e coup sur le tronc d'arbre, il ne s'arrête pas. Donc il va falloir vite l'abattre, hein, parce que de toute façon je crois qu'il va rester là. Ce n'est pas d'état d'âme à le tuer ou à lui mettre une flèche dans le dos parce que il va mourir. Comment ça marche le système de combat? Carrément, je t'explique. Tu as ce que l'on appelle un combat tracker, et ça va être ton ami. C'est en haut à droite du plateau de jeu, tu as un petit icône avec deux épées de croisée. Est-ce que tu vois ça? Tu ouvres ça. Oui. Voilà, tu as un listing de ce qui se passe en ce moment sur le plateau. Donc tu peux voir que Elsinia est tout en bas avec trois gobelins. Il y a un gobelin 1, un gobelin 2, un gobelin 3. Toi, celui que tu veux shooter, c'est le gobelin tout en bas. C'est le gobelin numéro... On va regarder. C'est le gobelin numéro 3, quand tu passes ta souris dessus, c'est marqué gobelin numéro 3. Donc le gobelin numéro 3, si tu veux lui tirer dessus, c'est très simple, il faut déjà que tu le cibles. Pour cibler un personnage, tu vas sur la carte, sur le plateau de jeu, tu mets ta flèche de souris sur la personne que tu souhaites cibler, tu maintiens sur ton clavier la touche CTRL, et tu fais un clic gauche sur ta cible. Maintiens contrôle, tu fais un clic gauche sur ta cible. Essaye de faire. Très bien. Si tu reviens sur le combat tracker maintenant, où il y avait les deux épées de croisée sur le tableau, tu peux voir que Elsinia est en train de target. Target, ça veut dire cible en anglais. Tu es en train de cibler le gobelin numéro 3. Donc tu as réussi à le cibler. C'est une bonne chose. Une fois que tu l'as ciblé, tu n'as plus qu'à faire ton action. Donc là, tu as plusieurs types d'actions. Toi, tu m'as dit que tu voulais l'abattre. Donc je suppose que tu veux le faire à l'arc. Si tu veux le faire à l'arc, tu vas prendre dans tes actions ton arc et tirer une flèche. Pour ce faire, tu as plusieurs moyens. La plus simple, c'est de prendre ta fiche personnage. Donc tu cliques sur ta fiche personnage en haut à gauche, ton personnage là. Tu ouvres ta fiche perso, tu vas dans l'onglet action. J'y suis. Tu y es. Et tu peux voir que tu as longbow, donc l'arc long, ou long sword, ton épée longue. Tu as 20 ammunition, tu as 20 flèches. Donc si tu veux tirer à l'arc, c'est le dé noir. Où c'est marqué, t'as un dé noir plus 5 là. C'est pour tirer à l'arc. Et en dessous, t'as un dé noir plus 4, c'est pour taper à l'épée. Donc toi c'est l'arc. Donc si tu veux taper le goblin, il te suffit de cliquer sur le dé noir. Ou de cliquer dessus. Et tu maintiens ton bouton et tu jettes ton dé sur le plateau de jeu à gauche. Dans le chat log là. Où est-ce que tout le monde écrit? Très bien.
Tu jettes une première flèche, tu peux voir sur ton... Comment on appelle ça? Sur ta fiche personnage que tu as consommé une flèche. Tu vois, à munition, tu avais marqué 20. Et là, on voit qu'il y a une flèche qui est partie, elle s'est cochée automatiquement sur la fiche. Tu vois la petite coche qui s'est mise dans les pastilles? Oui, c'est moi. Ouais, voilà, donc c'est bien. Donc tu viens de perdre ta première flèche, donc il t'en reste 19. Ta flèche est partie. Malheureusement, ton score est faible. Tu as fait 10. Et ta flèche vient se planter. Juste entre les deux. Il a fait un mouvement, en fait, avec sa baguette. Il a fait un mouvement pour venir taper le 410e coup hein, sur l'arbre. Et au moment où il a fait un mouvement, la flèche vient se planter, mais pile entre ses deux jambes. Dans la terre, par terre. Mais il a même pas capté. Il a rien vu du tout. Il a rien vu. Il capte rien du tout. Ta première flèche est un loupé. En extase devant son arbre. Ah, il est en extase complète devant son arbre. D'ailleurs, quand tu auras plus de baguette, t'as même peur qu'il baisse sa culotte et qu'il commence à se frotter après ce tronc magnifique. C'est là, il est. Il est très 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 content, hein. Il va s'attaquer à l'auto. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Arrête de la faire rire comme ça. Ah là, ouais, bah. Non, il aime l'arbre. Il aime l'arbre, il l'aime beaucoup. Je fais une deuxième tentative. Ah bah tu peux, écoute, il t'a même pas capté, tu as toujours... Ah bah d'ailleurs, j'ai pas été gentil, je t'avais dit que t'avais l'avantage. Donc on va recommencer, il aime toujours autant l'arbre, hein. Ça on change rien. Mais je t'avais dit que tu pouvais attaquer avec l'avantage. Et ça c'est ma faute, je vais t'expliquer comment c'est. Vu que tu vas pouvoir attaquer avec avantage, en bas à gauche du plateau, à côté de tes dés, tu as des petites cases. Et la première case en haut à gauche s'appelle ADV, qui veut dire Advantage en anglais, c'est l'avantage. Tu cliques une fois dessus pour allumer cette case. Elle devrait se surligner normalement. Oui. Et une fois que tu as réussi à la surligner, tu vas faire ton jet d'attaque. Donc pareil, tu retournes sur ta fiche perso, tu prends ton arc et tu vas lancer une flèche. Avec le dé noir, là, tu cliques, tu maintiens et tu balances ton dé noir. Et tu vas voir qu'il va lancer 2 dés au lieu d'un. Parce que tu es en avantage. Donc quand tu lances 2 dés au lieu d'un, bah, c'est beaucoup plus facile de réussir. Et cette fois-ci, la flèche arrive en plein corps sur le gobelin. Tu le touches en plein dans le dos. Et tu vas pouvoir, vu que tu as touché, faire un jet de dégâts. Alors... Par contre, moi ce que je suis en train de voir, ce qui est bizarre, c'est le fait d'être avantage, il t'a consommé 2 flèches d'un coup, ça c'est pas gentil ça. Ça c'est pas gentil, c'est pas normal, parce que tu n'en quittes qu'une seule flèche. Ouais, je vais te rendre une flèche. Ouais, c'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. Quand il considère l'avantage comme s'il en quittait 2 flèches au lieu d'une. Pourquoi pas. Il tire 2 flèches en même temps et puis il y en a une. Ouais, ouais, il se la fait à la Legolas quoi. Ouais. Il en quitte 2 flèches, il balance les deux en même temps. Ok, c'est pas très grave, on vient de repasser à 18 flèches, c'est bon. Ta flèche a touché le gobelin, maintenant faut savoir combien de dégâts tu lui as causé. Donc là, juste à côté de ton jet de lancer là, que tu viens de faire, ton dé noir, à droite, il y a le nombre de dégâts que ton arc cautionne. C'est marqué 1 dé 8 plus 3, et c'est un dégât de type piercing, c'est-à-dire que ça transperce. Donc il te suffit de cliquer là-dessus, pour lancer le jet. Je pense qu'il faut faire glisser, non, Nerol? Parce que moi j'utilise toujours le... C'est le même principe que pour le dé, je crois. Si tu veux... Elle essaye de cliquer dessus, ça marche. Drag et... Ou elle double-clique dessus. N'importe. Soit double-clique, soit tu cliques, tu fais glisser. Voilà, très bien. Tu as balancé ta flèche. Tu tires dans le dos du gobelin.
et la flèche le transperce complètement de part en part. Il se retrouve accroché au tronc d'arbre. Tu l'as complètement traversé, il est planté contre le tronc. Avec le recul, ça... Hop, voilà, il est reculé un petit peu, il est cloué, tu l'as cloué, tu l'as rifté, tu l'as accroché à l'arbre, tu l'as empalé exactement, il est coincé, et il crie de douleur, il a eu super mal, et il a super mal. Il a super mal, il a lâché sa baguette, et il est accroché à l'arbre, et il va super mal, il est dans le sang, là. Le pauvre vieux, il a pris super cher, il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien, il hurle, ce qui provoque une réaction vive et immédiate des deux protagonistes qui sont à côté, hein, des deux autres gobelins, qui captent tout de suite qu'il y a un problème. Ils se mettent à regarder dans sa direction, waouh, et puis ils sont ébahis, et ils se mettent à courir vers lui pour aller l'aider, hein, s'ils se demandent bien qu'est-ce qui se passe. Donc on va faire un jet d'initiative, et on va pouvoir commencer le combat comme... Donc tu lui expliques pour le jeu d'initiative ? Ouais. Ouais, je t'explique pour le jeu d'initiative. Tu prends ton combat Tracker, là où t'as des deux épées qui sont... Et dans ce listing de monstres, tu peux faire ton jet d'initiative. Pour faire un jet d'initiative, tu prends ta main... comment on appelle ça ? Ta fiche personnage, en haut à gauche. Tu vas sur l'onglet Main... Et sur ton onglet Main, en plein milieu de ta fiche, tu as une case Init, qui veut dire Initiative, avec un chiffre plus 3 en dessous. Et en dessous de ce chiffre plus 3, tu as un petit dé, en bas à gauche. Tu peux cliquer sur ce petit dé pour faire ton jet d'initiative. Attends, parce qu'elle a le son à fond la caisse, elle me dit de baisser le son. Ah, tu... Ouais, faut que tu baisses le son du Rollistic. Alors, tu vas sur Rollistic, hein, qui est le logiciel avec le dé rouge, là. Et tu as une bande son en bas. Tu peux la réduire. C'est vrai que... Ouais. J'avais pas travaillé sur ces premières musiques et le son n'est pas homogène sur toutes les musiques. Pour Chahé, c'est bon du coup ? Les bougiques. Ouais. La bougique ? Ok. Oh oui, Chahé, il a l'habitude, hein. Je crois que. Il sait mieux que moi, je crois. Quand il voit la musique partir, c'est mieux. Alors. Eh ben. Voilà, t'as fait ton jet d'initiative, nickel. Tu peux voir maintenant sur ton combat Tracker. Que tu as fait un jet d'initiative à 15, ce qui est plutôt un très bon jet. Donc tu es la première à jouer pour l'instant. Mais les monstres, tu peux voir que dans leur case d'initiative, ils ont une initiative de 10. Donc, par défaut, c'est quelque chose de simple. Je vais... Ah ouais, je sais pourquoi ils ont 10 les 3. C'est parce que je ne les ai pas modifiés sur le plateau. Je vais leur mettre une initiative standard à 12. Voilà, je vais pouvoir retirer mon mini. Et voilà, les trois ont bien fait un jet différent cette fois. Tu en vois un qui fait un excellent jet, il est premier, il sera le premier à jouer, c'est le gobelin numéro 1. Puis le gobelin numéro 3, celui qui est accroché à l'arbre. Et enfin, le gobelin numéro 2, celui qui est le plus au nord. Voilà. On va regarder si ça donne. Je vous donne l'initiative au premier, on commence. Bien appuyé. Non. C'est au gobelin 1. Ouais, c'est au gobelin numéro 1. Le gobelin numéro 1 est stupéfait par le fait que son pote se soit fait embrocher comme ça. Il voit bien qu'il y a un problème, il est très loin. Il se met à courir à toute vitesse vers son ami pour essayer de voir ce qu'il peut faire.
et il hurle en gobelin beu. Et il profite de son action pour utiliser un dash, ce qu'on appelle un mouvement supplémentaire dans une direction pour courir un petit peu plus vite. Plutôt que d'attaquer, il se précipite vers son ami. Il arrive. C'est à toi. Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Le premier gobelin numéro 3 est à ta merci. Et le second s'approche. Ils ne t'ont pas repéré en fait, ils n'ont pas vu, tu étais dans le bois caché en haut et. Tu as une belle opportunité qui s'offre à toi là. Donc il n'y en a qu'un des deux qui a bougé du coup. Pour l'instant, il n'y a que le premier qui a bougé. Je suis d'accord avec ça. Là, c'est à toi de jouer. Sachant que celui qui est accroché à l'arbre, si tu regardes l'ordre dans le combat Tracker, celui qui est accroché à l'arbre va jouer après. Et le gobelin numéro 2 jouera lui en dernier. Donc le gobelin numéro 2, c'est celui qui est pas trop loin de toi. J'essaye de l'attaquer aussi, celui-là qui est tout seul maintenant. D'accord, tu veux profiter du fait que le premier descend le numéro 3 pour attaquer celui qui reste tout seul. Eh bien, il ne te voit pas, il ne t'a pas repéré. Tu peux faire ton attaque avec avantage, si tu le souhaites, et attaquer ce gobelin numéro 2. Donc pour ce faire, il faut que tu reviennes sur ton combat Tracker. Il faut que tu... Parce que tu vois, tu as toujours en target le gobelin numéro 3. Il faut que tu enlèves en cible, pardon, tu as toujours le gobelin numéro 3. C'est marqué en bas target gobelin 3. Ça, il faut l'enlever. Pour enlever une target, soit tu refais un contrôle clic gauche sur ta cible, et ça va l'enlever. Soit tu vois, tu as un onglet cible sur ton combat tracker à côté de. T'as une tête de mort verte là de. Dessiner à droite, t'as une espèce de cible. On voit pas la cible, je crois pas. Ah, vous n'avez pas la cible, vous les joueurs, sur le combat tracker. Non. Si. Donc, j'ai... Ah, t'as la cible, toi? Ouais. Je l'ai pas. Enfin, elle l'a pas en tout cas là. Mais après, il y a peut-être un petit temps de latence. La hein. Elle l'a peut-être enlevé, nous on le voit pas encore mise à jour. Non, mais en fait, la si tu veux, pour elle a pas de la cible sur le côté pour retirer les targets. Ah. La cible est en dessous de la tête de mort. En haut de la map. En haut de la map. Ah d'accord, moi je croyais que c'était sur le combat tracker. Ah oui, je parlais du combat tracker, hein, en fait. Je parlais du combat tracker. Écoutez, si vous l'avez pas, bah, c'est pas grave. Tu fais un. Tu maintiens contrôle. Et tu fais. Non, voilà, mais ça marche, ouais, ça. Parce qu'en fait, en haut, ouais, je l'avais pas vu. En haut de la carte, il y a clear target, en fait. T'enlèves tout le target. Je savais pas qu'il y avait ça. Ok. Eh ben très bien. Maintenant tu peux remettre ta flèche sur le gobelin que tu souhaites cibler et tu maintiens contrôle et tu cibles ta nouvelle cible, ta nouvelle target. Parfait. Tu cibles bien le gobelin numéro 2. Tu peux donc lancer une attaque contre lui. Pour ce faire, est-ce que tu veux attaquer à l'épée? Est-ce que tu veux attaquer à l'arc de nouveau en restant caché?
Elle hésite. Elle signe, tu nous entends? Ah, elle hésite. D'accord. Et hésite pas à me faire partager ton hésitation. Quand je te pose la question, est-ce que tu veux utiliser l'épée, utiliser l'arc, hésite pas à me dire j'hésite. J'hésite, qu'est-ce qui serait le mieux? Est-ce que tirer à l'arc et rester caché? Est-ce que rentrer dans le tas avec l'épée, ça te paraît un peu mieux? Mais n'hésite pas à m'expliquer et à nous donner ton ressenti, parce que ça nous fera partager un peu l'expérience ou l'inexpérience de ton personnage. N'hésite pas à me répondre. On tient un dialogue et il y a autant de paroles que de... Je sais que c'est difficile, hein. Par contre, je cache pas que c'est difficile. C'est impressionnant aussi la première fois, ça peut être assez déroutant. Mais n'hésite pas à me dire, je sais pas du tout quoi faire. Ou ton ressenti m'intéresse, en fait. C'est ce qui m'intéresse le plus, moi. D'accord, bah en fait, j'hésite si ça vaut le coup à l'arc ou... Ou c'est pas la peine. Bouclier. Voilà. Alors, moi, ce que je peux te filer tout de suite comme conseil, c'est si tu tires à l'arc, vu que t'es toujours caché dans la forêt, on sait pas trop, les autres ils savent pas où est-ce que t'es là, parce qu'ils participaient pas au combat, pardon. Et le fait qu'il y ait des flèches comme ça en étant caché, ils ont du mal à te détecter. Alors que si tu sors avec une épée, en criant et puis en disant je vais te couper la tête, même si t'arrives à tes fins, derrière t'es. D'ailleurs, c'est bon, on t'a vu là. Les autres, ils vont pas. Ils vont venir te sauter dessus. Tu as plus de chances à rester caché. Autre chose que je peux te donner comme indice, c'est que si tu prends ta fiche personnage et tu regardes la différence entre l'épée et l'arc, on peut voir que tu es plus doué à l'arc qu'à l'épée. Et pour ce faire, tu peux le voir dans tes. Nérol, tu restes bien appuyé. Dans tes actions, pardon. Dans tes actions, c'est très chiant ce Morvox là. Pardon. Dans tes actions, sur ta fiche perso, tout à droite, l'onglet, t'as deux types d'actions. On avait vu que t'as l'arc et en dessous longsword, donc l'épée longue. Quand tu tires à l'arc, t'as un bonus de plus 5 sur le jet de dés. Alors que quand tu tapes à l'épée, tu n'as un bonus de plus 4 seulement. Tu es plus doué à l'arc. Enfin, tu as plus de chances de toucher à l'arc. Et d'ailleurs, ça devient. Et d'ailleurs, sur les dégâts occasionnés, c'est dû à ton bonus de dextérité. D'accord, plus 5, sur l'arc, c'est sur le range. Ouais, ça d'accord. Vient de. T'as plus 2 de proficiency de base. Et t'as plus 3 de. T'as plus 2 de proficiency, t'as plus 3 parce que t'as plus 3 de modifier de dextérité. Alors que l'attaque au corps à corps à l'épée, c'est le bonus de strength. Et strength à 14, t'as que plus 2 de bonus. Donc 2 de maîtrise et 2 de bonus, ça fait bien un résultat de plus 4. T'es plus doué à l'arc. D'accord, bon bah je vais faire un arc alors. Je pense que c'est le choix le plus judicieux, tu as raison. Donc tu as bien target le goblin numéro 2. Tu peux, il te reste 18 flèches, tu as l'avantage, n'oublie pas de cliquer sur avantage, tout en bas, et tu peux essayer de shooter ce gobi numéro 2 qui a l'air assez assez stupéfait par ce qui est en train de se passer. Il est en train de ranger ses cailloux là. Attends, parce que je vais en profiter pour lui expliquer aux joueurs les raccourcis. Ça permet d'éviter d'ouvrir toujours la feuille de personnage. En bas, il y a des cases. Oui, ça c'est très. Et donc en fait, tu vois, tu peux faire glisser ton dé là dans la partie en bas. Mettons oui là. Voilà. Appuie. Lâche, ouais. Donc là, tu vois, il y a marqué attaque. Donc, avec. Oh là, arrête d'appuyer. donc tu vois attaque. Donc c'est ton jet d'attaque que tu vas faire quand tu vas appuyer sur 2. Donc t'appuies sur 2, là tu vas faire ton jet d'attaque. Et après, mettons, tu veux faire ton jet de dégâts parce que t'as touché. Tu prends là-dessus, donc tu maintiens là et tu le fais glisser après sur la case, mettons 3. Et donc tu feras tes dégâts si t'appuies sur 3. Mais uniquement si t'as touché, bien sûr. Exactement. Donc pour les viewers... Tout en bas du plateau, vous avez 12 cases là qui sont apparentes. Ce sont les raccourcis clavier. Et donc il y a les raccourcis standards. Qu'est-ce que vous voulez là?
Donc ouais. Comme ça, et après si on maintient Alt, on a une suite d'autres raccourcis. Donc moi ce que je fais en général, je mets les casts sur la première barre et les dégâts sur la barre de Alt. Comme ça je peux pas me tromper. Ah fait. Ouais. D'accord, ouais, pourquoi pas. C'est un choix, ça marche. C'est une bonne idée. Vous pouvez tout mettre, hein. Vous mettez les jets de dégâts, les objets, les consommables. Ouais, mettez ce que vous voulez en raccourci, tout ce qui demande un jet. Ouais. L'initiative, tout. Init, ouais. Ouais, l'initiative, c'est quelque chose qui vous sert assez régulièrement. Je te laisse organiser comme tu veux. Tu as bien target le Goblin 2, je te laisserai faire ton jet d'attaque avec avantage. Ça, tu vois. Ah oui, Shai, c'est Shai, Marc, c'était moi. Je vais clean le chatlog, mais après. Ah bah voilà. Nickel, donc tu fais une attaque avec avantage. Tu vois, la commune 2, là, il était vraiment dans ton axe. Il a pas commencé à bouger, t'as pu le shooter sans aucune difficulté. Tu vas faire tes jets de dégâts. Ouais, parce que Alt, en fait, c'est son bouton aussi pour parler. Donc, comme ça... Bah, qu'elle mette tout en 1, le jet de dégâts, en 2, le jet de dégâts. Ouais, voilà. C'est plus simple. Superbe G. Tu enquilles la flèche dans ton arc, tu prends vraiment le temps de bien bander ton arc à son maximum. Tu lâches la flèche et elle part et tu vises juste et tu traverses la gorge de part en part du gobelin. Et il vient, il tombe de tout son poids au sol sans avoir même eu le temps de bouger. Tu l'as transpercé. C'est un très beau G. Tu viens d'abattre ton premier adversaire. Quelle honte. Es-tu la forêt? Eh oui. Joli G. Donc tu as fait ton action. Cependant, tu ne t'es pas encore déplacé. Et dans Donjons et Dragons, tu fais dans l'ordre que tu veux pendant ton tour. C'est-à-dire tu peux déjà faire ton action et ensuite te déplacer. Ou séquencer autant de fois, partitionner autant de fois que tu veux ton mouvement, lancer tes attaques et finir ton mouvement derrière. Tu fais un peu comme tu veux. Donc là, tu as fait ton attaque, il te reste ton mouvement à faire. Est-ce que tu veux bouger ou est-ce que tu veux rester où tu es ? Est-ce que je peux voir maintenant pour s'ils ont caché les baies ou après? Ah, tu as déjà consommé ton action. Tu peux te déplacer pour te mettre où tu penses qu'ils l'ont caché, en fait. Cependant, tu ne pourras pas fouiller ce tour-là. D'accord. Ok. Très bien, tu te déplaces là-bas. Parfait. Tu vas passer ton tour maintenant. Faut que tu apprennes à passer ton tour une fois que tu as fini. Quand tu vas sur le combat tracker, avec l'ordre de tous les monstres qui jouent, etc., tu as en bas une tête de dragon avec une petite flèche vers le bas. Tout en bas. Une tête de dragon avec une petite flèche noire vers le bas. Tu cliques une fois dessus. C'est pour passer son tour. Voilà, très bien. Ben voilà, t'as capté.
T'as capté. Tu viens de passer ton tour au joueur d'après. Et c'est au gobelin numéro 3, celui qui est accroché contre l'arbre. Donc il est accroché contre l'arbre, il a mal. Et il dit à son copain, il s'est retourné là. Et il vient de voir le gobelin, l'autre, son autre gobelin se faire abattre. Il lui dit en gobelin, regarde là-bas, on est attaqué. Ils en veulent à notre rituel. Dépêche-toi, va vite t'en occuper. Et le gobelin numéro 1 a l'air d'écouter et laisse tomber. Le gobelin numéro 3, en fait, ne peut rien faire d'autre que c'est de se détacher. Quoi. Il tire de toutes ses forces sur la flèche, mais il est empalé. Et il va devoir passer son tour et en rester là. Il passe son tour, c'est au gobelin numéro 1 qui démarre le round, son round 2, en fait. Je sais pas pourquoi c'est marqué round 1. Voilà, c'est le round numéro 2. Le gobelin numéro 1 écoute son ami gobelin. Hein, il t'aperçoit à côté des ruines. Il te voit. Et là, il est pas content. Et il sort son arme. Tu vois qu'il dégaine. Qu'est-ce qu'il a, notre ami gobelin? Qu'est-ce qu'il a comme arme? Oh! Alors lui, il a un cimeter. Putain, ça va pas du tout. Il a une espèce de un cimeter. Tu vois qu'est-ce que c'est? Il a pas un bout de bois. Hein. Tu vois ce que c'est qu'un cimeter? T'imagines ou pas du tout? Non, je vois pas. Un cimeter, c'est une espèce d'épée. D'épée un peu courbée. C'est l'épée des Sarrasins. Ouais, c'est l'épée des Sarrasins. Un peu comme les sabres de pirates. Je sais pas si t'imagines. Cette épée un peu. Oui, je vois, ça y est. T'as vu Aladdin? Eh ben c'est la même épée. T'as pas vu Aladdin? Super Aladdin. Ta référence. Bah quoi Aladdin? C'est bien Aladdin, il a un cimeter. Il a un cimeter Aladdin. Il a un cimeter Aladdin, quand même. Donc il brandit son cimeter comme ça et puis il hurle un super na gobelin et il te fonce dessus et il en a rien à foutre que t'as un arc ou une mitraillette. Il te fonce dessus, il va te casser la gueule. Et il crie à plein poumon et il prend son dash pour vraiment t'impressionner et venir tout près de toi. Il te court dessus, plutôt que d'essayer d'attaquer ou de lancer quoi que ce soit, il court comme un dératé. Il arrive presque à ton contact, il est pas loin de toi, il est 2 mètres devant toi. Mais bon, il est en bout de course, donc il pourra rien faire d'autre ce tour-là. C'est à toi. Maintenant, je range mon arc et je sors le bouclier et puis l'épée. D'accord. C'est une bonne idée. Non seulement... pour ceux qui ne le savent pas, dans les règles de Donjons et Dragons 5, il y a le fait d'utiliser une arme à distance au corps à corps, c'est-à-dire quand il y a moins de 5 pas entre vous et votre cible, là c'est le cas, il a 2 mètres de toi, vous êtes à moins d'une case l'une de l'autre, enfin une case l'une de l'autre. Donc si tu utilises l'arc pour essayer de l'embrocher au corps à corps avec ton arc, tu vas pouvoir le faire, mais tu auras un malus. Et tu tireras en désavantage. Et tirer en désavantage, c'est très dur dans le jeu. Donc tu fais bien, même si c'est plus compliqué, de sortir l'épée de bouclier. Tu expliques vite fait le désavantage, Pérol? Alors le désavantage, c'est exactement l'opposé de l'avantage. Tout à l'heure, pour faire un jet avec avantage, je vais t'en faire un jet avec avantage, tu vas voir tout de suite. Là, je vais te faire un jet simple. Regarde le plateau, jet simple. Je jette un dé. Bon, par contre, moi je suis GM, je fais toujours des scores incroyables. Donc ça, c'est normal, mais il faut pas faire attention. Là, j'ai fait un jet simple. Donc là, en moyenne, je vais faire 10. On est d'accord avec ça, en gros je vais faire 10. Maintenant je fais un jet avec avantage. Je jette qu'un dé et il me lance 2 dés au lieu d'en jeter qu'un. Donc en moyenne je vais faire 15. Mais bon, vu que je suis GM et je suis pété, moi je fais 20. Moi faut pas me donner l'avantage, hein. Moi je suis un fou. Moi je rigole pas du tout. Moi je fais des 17 et des 20.
Maintenant, si je le fais avec des avantages, et ben je vais faire exactement pareil. Je vais jeter 2 dés, mais au lieu de garder le meilleur, je vais garder le moins bon. Donc en moyenne, je devrais faire 5. Mais vu que je suis GM, je vais faire 1. Oh mon dieu! Oh, t'es scandaleux, Nerolf! Voilà. Donc je suis très fort. T'as pas jeté ça? J'ai fait 17 et 18. Donc, j'ai pris le moins bon. J'ai donc fait 17. Le dernier, t'as pas jeté? On l'a pas vu. Si, je suis en désavantage. Non, c'est pas un G, regarde, y'a pas le dé à côté. Oh merde, putain, il me semble bien avoir jeté sur le plateau. Je l'ai jeté à côté, pardon. Non, t'es scandaleux. Je l'ai jeté à côté du plateau. Je l'ai jeté à côté du plateau, c'est pour ça que vous l'avez pas vu. Ouais, il est pas mal aussi celui-là. Il est pas mal. J'ai fait 10. Alors normalement, je devrais faire 5. Mais voilà. Vous comprenez le principe. L'avantage, vous gardez le meilleur dé. Le désavantage, vous gardez le moins bon. Alors quand tu veux taper quelqu'un et que tu gardes le moins bon jet de dé, c'est très dur de toucher. Même en faisant un bon jet. On peut noter aussi qu'on a le désavantage lorsqu'une cible est au sol. Quand tu tires à distance. C'est compliqué. Quand tu tires à distance, ouais. On peut en parler. C'est... Il y a certains effets qui font que ça va changer grandement la jouabilité, la donne, oui. Un personnage qui est prone, qui veut dire qui est plaqué au sol, ou qui est à terre, que ce soit volontaire ou pas, suite à un « je me suis jeté à terre pour rester à couvert » ou genre un main, je m'a lancé un sort et je suis plaqué au sol, ou Erwal a déclenché un piège et je suis coincé sous un éboulis, tu es à terre. Le fait d'être à terre, ça a un avantage. C'est si on te tire dessus de loin, vu que t'es en train de ramper au sol, il aura le désavantage pour te taper dessus. Par contre, un mec qui vient se coller à toi, et qui veut t'empaler et t'embrocher avec le sol, lui, il aura l'avantage. Être prone, c'est bien, et c'est pas bien. Ça dépend de la situation. Être au sol, ça peut être bien. Cependant, ça peut être très dangereux. Et pour se relever, on consomme la moitié de son mouvement. Quelqu'un qui est au sol, qui décide de se remettre sur ses jambes et de courir en avant, pour aller attaquer, par exemple, divisera son mouvement par deux ce tour-là, pour pouvoir se relever. Voilà, voilà. En effet, c'est un des cas où on peut avoir le désavantage sur une range d'attaque. Voilà. Donc Elsinia, ton idée est juste... je pense que tu as choisi la meilleure solution. Tu as sorti ton épée, ton bouclier, tu as posé ton arc à toute vitesse, avec beaucoup de grâce et de dextérité, comme d'habitude, comme le font les elfes. Et tu saisis ton... C'est une longue sword, qu'une épée à une main, une épée longue à une main, et tu as le bouclier bien saisi sur ton avant-bras. Et tu t'apprêtes à frapper le gobelin numéro 1. Donc je te demanderai de te remettre en target, en cible, le gobelin numéro 1 avant d'attaquer. On va voir si tu arrives à le faire toute seule maintenant. Oh, ça y est. Ça y est, c'est une pro-gameuse. Elle sait, elle a compris. Elle a tout capté. Donc là, tu vas nous faire un jet d'attaque. Cependant, lance pas, fais attention de ne pas utiliser ton jet d'attaque en raccourci que tu as mis avec ton arc. Tu utilises ton épée. Tu vas sur ta fiche personnage et tu attaques bien avec l'épée. Ta longue sœur. Elle a pas d'avantage quoi que ce soit, hein. Ah, bien d'accord. Là, elle a pas l'avantage, il te voit, vous êtes face à face, là c'est à la loyale. Hein. Là c'est à la loyale, c'est. Il va falloir combattre pour de vrai. Je sais pas si le dé est parti. Non, il est parti à côté là, je crois. Il relance. Oh, superbe G. Tu saisis ton cimeter et tu avec dextérité, tu l'empoignes bien et tu le balances un grand coup d'épée et tu penses qu'il va atteindre son objectif. Vas-y, fais ton jet de dégâts. Oh mon dieu. Tu
Il est en train de crier, il arrive juste devant toi et tu lui claques un énorme coup d'épée et tu le piques au niveau du crâne, hein, et il vient s'empaler sur ton épée, tu viens de l'enfourcher au niveau de la tête, tu lui as transpercé la tête. C'est dégueulasse. Il s'est enfourché tout seul. Ouais, il s'est enfourché tout seul, mais en criant... À la Wakba. Ah non. Non, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, parce qu'en plus, en ce moment... Non. Pas de ça. C'est pas le moment du tout. C'est le bordel en ce moment. Non, non, il parle pas ce langage-là. C'est du gobelin, non, hein. Non, c'est pas du gobelin. C'est pas le même livre, il dit pas le même livre, je crois. J'ai regardé, mais je crois pas que c'est marqué ça sur le Master Guide. Vas-y, envoie un coup de langage gobelin, je crois que c'est la même chose. Aïe, aïe, aïe. Non, l'écriteau, je sais pas si c'est l'écriteau arabe, hein, ça m'étonne. Non, je rigole. Bon, ben là, du coup, ben, t'as fini ton tour, hein, donc... Ah, tu vois ? Voilà, j'ai écrit en gobelin. Ah, ça ressemble à de l'égyptien. Non, ça ressemblerait à du grec ou tu vois. Du grec, exactement du grec, tout à fait. Les Égyptiens utilisaient plutôt les symboles. Ça serait du grec, oui. C'est plus près du grec ou du romain, ouais, je sais pas. Ouais. Ok, tu as fini, tu as passé ton tour, merci, bah, très bien. Tac, je vais enlever. Écoute, je vais te remettre une musique un peu moins brusque pour tes oreilles. Parce que le combat est, malgré qu'il soit pas complètement terminé, tu penses avoir une belle opportunité qui s'offre à toi. C'est que les deux premiers gobelins ont été abattus. Et le troisième, bah, il est accroché à l'arbre. Les pieds touchent à peine le sol et il a une flèche plantée dans le dos et il est coincé, hein. Il est coincé, il n'y a personne pour le détacher. Et bon, deux solutions, plusieurs solutions, soit tu peux l'abattre, hein, ou tuer, soit aller près de lui pour recueillir quelques informations. C'est quelque chose de très important à faire dans le jeu, hein, généralement. C'est plutôt que toi chercher un petit peu partout. Ben, peut-être que lui, il sait où se trouvent ses fruits, hein, si c'est lui qui les a cachés. Et voilà, donc c'est un... Quel serait pour toi le choix le plus judicieux? Essaye de te mettre en situation et de réfléchir. Ça serait de le faire parler. Tu voudrais essayer de le faire parler? Alors les gobelins, bon, t'as de la chance, ils parlent le commun. Déjà, ils parlent le commun. Là, tu l'as vu tout à l'heure, malgré que celui que t'as embroché, ça avait pas l'air d'être le plus fut-fut des trois, tu penses qu'il comprend le commun, donc tu peux éventuellement essayer de communiquer avec, ce serait une solution. Donc pour ce faire, bah, tu te déplaces, hein, du côté de lui, et tu lui parles comme tu me... On va rentrer dans un dialogue, hein. Donc moi je vais parler le gobelin. Je vais te dire ce qu'il va te répondre, parce que je vais pas prendre une voix de gobelin, mais je vais te dire ce qu'il te répond à chaque fois. Et voilà, et toi tu lui poses des questions comme si tu étais en dialogue avec quelqu'un de normal, quoi. Comme si tu étais Évangeline Lily. Voilà. Et que tu t'approchais d'un gobelin que tu venais d'empaler. Et qui est pas en situation, en bonne situation, pour faire le malin. Où ils sont cachés, les baies ? Ok, tu lui demandes où sont cachés les baies. Il a l'air... Il a pas l'air trop content, hein, quand même, parce que tu viens de lui mettre une flèche dans le dos. Il a l'air en colère, il a l'air un peu enragé, mais il voit bien que ses deux copains sont tout seuls, et généralement les gobelins
Dès qu'ils sont tout seuls, ils ont tendance à se frotter un peu à tes pattes, quoi. Il dit détache-moi, j'ai mal, je te dirai tout ce que je sais. Enfin, voilà, il est en train de pleurer, quoi. Il veut vraiment que tu le détaches, quoi. Si tu pouvais le détacher, parce qu'il a super mal. Franchement, il a super mal. Et il demande si tu peux pas casser la flèche, quoi, qu'il puisse au moins poser les pieds au sol, parce que là, il est pas bien du tout. Eh ben, j'insiste et je le détache pas. Ah ouais, t'es comme ça, toi. C'est terrible. Ok. Lui, il a pas l'air de vouloir craquer. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un jet de... Si tu veux essayer de le persuader, c'est ce que lui, il en démord pas. Hein. Lui, il faut que tu le détaches. Il a super mal et il est pas gentil. Donc, tu peux faire un jet de... Du coup, je pense qu'un jet... c'est à toi selon ton caractère. Et tu as un jet de persuasion, si tu veux utiliser le charisme, ton grand charisme et ton... Donc un jet de persuasion, par exemple, voilà, bon, tu es une belle femme elfique, tu voudrais persuader un marchand ou un homme ou quelqu'un de particulier, jouer sur ta beauté, jouer sur ton charisme, jouer sur ton élégance, tu devrais utiliser la persuasion. Par contre, là, tu es peut-être plus dans l'intimidation. Tu peux voir ton jet sur ta fiche de skill, tu as un jet d'intimidation. Parce que là, bon, il est embroché, il est contre le mur, tu as une épée dans la main, lui, il est à moitié tout nu. Peut-être qu'en posant le sabre le long de sa gorge et en lui reposant la question, il va y réfléchir peut-être à deux fois. Et là, ce serait de l'intimidation. Donc c'est à toi de voir comment tu souhaites lui poser la question. Je vais faire un jet d'intimidation. Ok, tu souhaites l'intimider. Donc tu vas me faire un jet d'intimidation dans la tour. Putain, c'est le bordel sur un petit écran. Oh là. Ah, faut qu'elle apprenne à organiser son écran. C'est, ouais, mais c'est pas... Venir. Le truc, c'est ouais, que... Enfin, c'est moins facile. Ouais. C'est moins facile sur un petit écran. Franchement, j'essaye de l'aider, mais... Moi, ce que je fais... C'est... J'ai aussi sur le PC. Oh la vache. Ce G. Je te le montre. Si je te le montre. Tiens, t'as fait 2. T'as fait 1 plus 1. Donc t'as fait un échec critique parce que t'as fait 1. C'est-à-dire que t'es pas intimidante du tout. Tu lui fais mais absolument pas peur. Il en a rien à vous. Tu vas presque le faire rire, quoi. Il dit non mais comment tu me parles, quoi. T'es mignonne, t'es haut comme trois pommes, même si t'es plus grande que moi, mais j'en ai rien à cirer de ce que tu racontes. T'es pas du tout intimidante. Pour lui, c'est... Alors là, il te croit pas du tout. Il croit pas du tout que tu vas lui couper la gorge, là. Et il dit mais détache-moi voir. Tu m'ennuies. Tu veux des réponses, lâche-moi. Décroche-moi. Il fait que de te demander de le décrocher, quoi. Et là, de toute façon, je vais te le dire, avec le jet que tu viens de faire, tu n'arriveras pas à l'intimider, c'est sûr et certain. Il va falloir trouver une autre solution, si tu veux discuter avec. C'est vrai que je... Ouais, c'est... J'ai travaillé le gobelin. T'es en train de te foutre de moi, chérie. C'est chérie qui écrit ça. Des années d'entraînement. Des années d'entraînement pour un gobelin. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire, Elsinia? Du coup, est-ce que je peux faire un jet de persuasion? Ah. Tu veux essayer de le persuader maintenant à la loi autrement, quoi. Oui. Alors, comment autrement? Comment tu voudrais le persuader? Je le détache s'il me dit tout. D'accord, t'essayes de négocier donc. Je te détache, mais tu me racontes après. Écoute, c'était sa proposition aussi. Il t'avait dit, vas-y, détache-moi, s'il te plaît, et je t'explique tout ce que j'ai. Donc c'est ce qu'il a dit. Donc tu peux faire le jet avec avantage. Donc tu cliques sur avantage, et tu fais le jet de persuasion dans la tour.
Ça a marché ou pas? Écoute, non, ça n'a pas marché. J'ai pas vu ton jet. Prends bien le jet de persuasion. Tu maintiens et tu le fais tomber dans la tour. Voilà, très bien. Ok, tu fais un résultat... J'ai pas le droit de te dire, ok. Tu as un résultat, tu tires sur la flèche. Tu lui fais super mal, il crie. Super mal, tu décroches la flèche tant bien que mal. Et tu arrives à... Il tombe par terre. Il tombe de tout son poids par terre. Il enlève la flèche de son corps. Il a envie, hein, il a envie. T'as pas l'air d'avoir touché un organe vital. Il a envie, il enlève la flèche, il saigne, un petit peu mal quand même. Il se relève, il n'est pas content du tout. Il arrive près de toi et pom, il te met un grand coup de pied dans le tibia et il te dit méchante. Il te met un grand coup de pied dans le tibia et il n'est pas content. Il fait méchante, tu te fous de moi. Voilà, il est en colère. Non, et puis il attend maintenant. Qu'est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que tu veux de lui, en fait? Parce que lui, il comprend pas. Bah, savoir où sont les baies. Mais il comprend pas de quelle baie tu veux parler. Alors lui, les baies... il sait pas ce que c'est. Il a pas du tout entendu parler. Il dit... pas de baie. Moi, j'étais en train d'essayer de faire tomber des glands de l'arbre pour pouvoir manger ce soir. Donc du coup, ça serait eux ou pas qui l'ont piqué? Ah, c'est ce qui commence à se trotter dans ta tête. Tu te demandes, parce que t'as fait un premier passage la première fois et t'avais estimé à 5-6 personnes le groupe de voleurs. Et là, t'as croisé 3 gobelins, ce qui t'a peut-être induit en erreur. T'es en train de te dire, ouais, c'est des peaux vertes. C'est peut-être ce que les villageois ont vu, mais ça a pas l'air d'être le bon groupe de gobelins, quoi. Donc là t'es en train de te demander, merde, est-ce que je suis en train de m'adresser à la bonne personne, parce que lui il a l'air au courant de rien, quoi. De toute façon il est mal en point, il a ta merci, t'as pas réussi à l'intimider. En persuasion il a pas l'air d'être il a pas l'air de trop savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il bluffe? C'est un gobelin, c'est bête comme ses pieds, ça aurait du mal à faire de... Ce serait compliqué quand même. Le bluff existe dans le jeu, hein, ça s'appelle la deception. En anglais, c'est de la tromperie. La tromperie, c'est la deception. Et bon, là, ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Il a l'air d'être franc. Hein. Pour toi, il a l'air d'être franc. Nerolf, attends, elle est déconnectée. Ah, c'est... Ouais, elle est revenue. C'est bizarre. Déconnecté, Mumble. Ok, je vais lui remettre le plateau peut-être. Je sais pas, c'est bon, enfin moi que... Ah oui, elle a une micro-coupure Mumble et tout, c'est une coupure générale. Ouais, bah ça vient pas du plateau, donc elle va tout récupérer directement. C'est pas un problème. Voilà, est-ce que au moins tu as entendu, Elsinia, ce que je t'ai dit? Bah que c'est peut-être pas eux. Ouais, et il a pas l'air du tout au courant. Alors pas du tout. Du coup, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, réfléchis, imagine. T'es dans une situation, tu sais qu'ils ont pris cette direction-là. T'arrives ici, mais bon, t'as pas l'air d'être tombé sur les bonnes personnes. Qu'est-ce que tu ferais? Je lui demande s'il a vu des autres passer. Ouais, bah carrément, je pense que c'est la meilleure solution. Tu lui demandes s'il a vu passer les groupes de un groupe de voleurs, quoi. Et lui te dit qu'il voit plein de passages toute la journée entre les animaux et les groupes de voleurs et tout ce qui passe. Lui, il a vu passer plein de monde. Et il a dit, il y a combien de temps, quoi? Enfin, il sait pas, il voit passer du monde tout le temps. Est-ce que t'as d'autres indices à lui fournir? Parce que là, comme ça, il voit passer du monde sans arrêt, lui, hein, sur la route, là.
La route est très empruntée. Bah, des voleurs qui emmenaient des trucs, enfin des objets très imposants. Quel type d'objet ? Du coup, des baies. Alors, c'est baies, des gros berries, d'accord. Et à quel moment ? À quel moment ce serait intéressant aussi que tu détailles. Tu sais, ça fait combien de temps qu'ils sont partis du village ? C'est à quel moment ? Est-ce que tu te souviens ? Ah non, je sais plus. Tu sais plus, je t'avais dit une heure et demie à peu près. Donc tu estimes à peu près à une heure et demie, deux heures, quoi. Hein, tu penses qu'ils sont passés devant toi une heure. Enfin, sachant que toi, tu te déplaces beaucoup plus vite, tu as parcouru une grande distance et tu vas très vite en forêt. Tu estimes, allez, entre une heure, ils sont dû passer il y a une heure. S'ils sont passés par là, ils sont passés il y a une heure maximum, quoi. Une heure et demie. Donc, c'est un temps que tu estimes. Voilà, ce serait bien de lui demander ça. Essaye de poser ta question clairement au gobelin avec toutes ces informations là et on verra ce qu'il peut répondre. Donc je lui dis, est-ce qu'il a vu des voleurs transporter des baies il y a environ une heure? Il y a une heure, je commençais à taper mon arbre. Et en effet, il t'explique qu'en tapant, il était assez alerte de ce qui se passait autour de lui. Il a vu un groupe de hobgoblins. Il estime à peu près une petite dizaine. Le groupe de hobgoblins qui se dirigeait vers le nord et qui transportait, transportait des marchandises ou il ne sait pas trop quoi. Il avait du mal et ils avaient l'air d'être très très pressés. Tout ce qu'il peut te dire. Je vais voir à peu près. Enfin. Et je vais aller les voir dans la direction qu'il m'indique. D'accord, tu serais prête à reprendre la route vers le nord et qu'est-ce que tu fais de lui ? Je le tue pas, je le laisse. Tu le laisses, d'accord. Très bien. Il a l'air d'avoir assez peur de toi. Écoute, il te regarde dans les yeux, puis il commence à marcher tout doucement les pieds. Tu sais, il fait des petits pas en arrière, les uns après les autres, tout doucement. Et il se cache un petit peu derrière le tronc d'arbre. Et une fois qu'il est caché derrière le tronc d'arbre, il passe la tête et puis il regarde si t'es encore là ou si tu vas partir. Il a un petit peu peur de toi. Puis il attend que tu partes, je crois. Je crois qu'il commence à avoir peur. Et avant de partir, il a ramassé son bout de bois et sa baguette. Et si tu t'approches, tu penses qu'il va te mettre un coup de baguette. Hein. Il a l'air qu'il aimerait bien que tu le laisses tranquille. Donc si tu souhaites partir, tu es libre de partir. Soit reprendre ta route vers le nord, soit, bon, vu que tu es débutante, soit aller fouiller. Les joueurs ont souvent tendance à aller fouiller dans les jeux de rôle leurs victimes. C'est... De toute façon, à cette époque-là, à chaque fois que quelqu'un meurt, on récupère tout ce qu'il a sur lui et ça sert à survivre, quoi. C'est de la survie. Donc, est-ce que tu souhaites aller fouiller les corps des autres gobelins ou est-ce que tu veux prendre directement la direction du nord ? C'est vrai que ça serait peut-être mieux de fouiller avant un peu. Ouais, tu pourrais peut-être trouver des choses intéressantes, on sait jamais. Écoute, tu laisses tranquille ce gobelin numéro 3 qui est derrière l'arbre. Puis il s'en va, il se cache, il se dissimule, tu sais pas vers où il est parti, mais enfin bon, il s'est taillé. Donc, j'entends tapoter moins fort sur l'arbre. Ouais, il tape moins fort sur l'arbre, mais il est content, il a récupéré sa baguette, et c'est bien, bon, il a un trou dans le ventre, mais il s'en fout. Il a sa baguette, c'est bien le principal pour lui. Il est même devenu roi des gobelins de son camp, parce que c'est le dernier. Donc finalement, les gobelins ça marche comme ça. Quand c'est le plus fort ou le dernier survivant d'un camp, il devient roi des gobelins. Donc il vient de prendre du galon grâce à toi. T'as fait ta bonne action de la journée pour lui. Et par contre, tu peux aller fouiller les deux corps qui restent. Je vais te partager l'expérience que tu as gagnée pour ce combat. Et on va faire... Alors qu'est-ce que tu souhaites chercher sur ces corps ?
Est-ce que c'est quelque chose de général et tu fais un jet de perception? Est-ce que tu cherches quelque chose de particulier? Vraiment, c'est quelque chose que tu cherches absolument, c'est ça que tu veux, et là, tu me fais un jet d'investigation. Je cherche rien de particulier. D'accord. Plutôt un jet de perception dans la tour, s'il te plaît. Ok, merci. Alors, en expérience, tu touches... Tu touches 150 points d'expérience pour ces gobelins, pour ce combat. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Tu as touché non seulement de l'expérience pour avoir tué des gobelins, ta dextérité au combat, mais tu as aussi touché de l'expérience pour avoir posé des questions intéressantes au dernier et l'avoir épargné. Ça fait partie de l'expérience. Nérol ? Oui. Là, je suis en train de voir, on n'a pas rempli son next level, c'est combien déjà, le niveau 2 ? Bonne question, je te dis ça de suite, je crois que c'est 6, hein. Je te dis ça. Et puis en dessous, il y a un truc bizarre, il y a marqué caster, 1/2. X, 1/2 de fois. C'est un level sur 2, je sais pas. Je regarde ça, une seconde. Non, ça c'est un code d'intégration spécifique au caster. J'ai la même chose pour le combattant quand il est spécialisé en mage. D'accord. Ça veut dire quoi exactement, Chalet ? Alors là, j'en ai aucune idée. Ok. C'est 300 le prochain niveau. Ça veut dire qu'elle a fait un demi-level là-dessus ? Mon dieu ! Bah ouais, mais elle est toute seule, hein, alors ça paye. Hein. Ouais, ouais. Ouais, vous êtes 3-4, c'est on a divisé, pas eu de chance, nous, hein. Putain, on a eu un GM méchant, hein. Il est méchant. Ouais, mais vos premiers combats, c'était quoi ? C'était un groupe de 10 kobolds à 5. Ouais, bah ouais. C'était des rats. 10 kobolds à 5. Ouais, après, vous avez eu 5 rats, 5 ou 6 rats, toujours à 5. Ouais, ça paye moins que 3 goblins tout seul. Hein. Ça, c'est sûr, hein. Carrément, en plus elle est one shoot. Ça se passe plutôt bien. Ouais, ça ouais, se passe bah plutôt bien. Pour l'instant, elle a fait, ouais, pour l'instant, elle a fait débouger. Hein. Franchement, Gomin qui arrive, boum, il lui coupe la tête. Hein, lui coupe la tête. L'autre, elle l'empale à l'arbre. Ça va, elle gère. Elle gère, elle se dépatouille bien. Ok, alors pour le G de perception, sur ta fiche d'XP, tu as bien 150 points qui se sont marqués. Hein. Oui. Oui. On l'a vu. Ok, c'est bon. Pour l'inventaire, qu'est-ce que tu trouves ? Eh ben, ok, c'est pas mal. Tu trouves 14 pièces d'argent. Tu trouves 8 pièces de cuivre. Tu trouves un club. En anglais, c'est en français, c'est un gourdin. Un gourdin en bois. Avec quelques pics qui sert d'arme. Et un arc court. Mais pas de flèche. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites garder ? Est-ce que tu souhaites les ramasser ? Est-ce que tu souhaites les laisser par terre ? Est-ce que tu souhaites tout prendre ? Oui, bah je prends tout. Parce que je pense que ça peut être utile. Et est-ce que je peux récupérer les flèches ?
Alors, celle qui est plantée dans l'arbre où c'est le personnage était attaché est pulvérisée. Il n'y a plus rien. Celle que tu as empalée sur le gobelin 2, oui, tu peux la récupérer. Celle qui est plantée dans le sol est cassée. Tu peux récupérer qu'une seule flèche sur les trois. D'accord. Ouais, les autres ont atteint une cible, elles sont flinguées, quoi. Tu lui expliques comment remettre une flèche, peut-être ? Ouais. Ouais, bien sûr. Tu vas dans ton... dans ta fiche personnage. Tu vas dans Action. J'y suis. Tu y es. Voilà. Tu vois ton listing de flèches, ammunition, 20, là, avec ta 3 coches. Oui. Consommer 3 flèches, tu peux recliquer sur une des coches pour l'enlever. Voilà, voilà, c'est tu bon. Récupérer une des flèches. Voilà, t'en reste 18. Et je te donne l'équipement. Bim, tu as touché 8 pièces de cuivre, 14 pièces d'argent. Et je te donne un club et un shortbow. Tu peux lui expliquer s'il y a un intérêt pour un arc court plutôt qu'un arc long, ou s'il y en a un seulement ? Et pourquoi il y a deux types d'armes comme ça ? Alors, ouais, pourquoi il y a deux types d'armes ? Ouais, c'est intéressant, on peut regarder si tu veux. Alors, pour regarder, tu vas cliquer en bas à droite dans Librairie. Cliquer dans Librairie sur le livre. Une fois que tu as cliqué sur le livre, tu vas voir un livre qui s'appelle Donjons et Dragons PHB Deluxe. Tu cliques dessus. Et t'as un listing qui va apparaître, il y a un onglet équipement en plein milieu. Tu cliques sur équipement. Une fois dans le listing d'équipement, tu vas prendre les weapons, c'est-à-dire les armes en français. Weapon, W-E-A-P-O-N. Et là, tu as toutes les armes du jeu. Et on va aller où se trouvent les armes de range. Donc ça s'appelle Simple Range Weapons. Tu vois le shortbow. Faut descendre un petit peu, il est au milieu de tableau. Donc, c'est bon, l'arc je vois. Court, tu le vois. L'arc court, donc, il coûte 25 pièces d'or. Il fait 1 des 6 points de dégâts au piercing. Il ne pèse que 2 livres. À peu près 1 kilo. Et il tire sur des courtes distances, entre 80 jusqu'à 320, avec des avantages, mais jusqu'à 80. Et il se porte à deux mains. Quand on fait la comparaison avec ton arc, ton longbow, qui lui est tout en bas, de la liste, longbow, il coûte 50 pièces d'or au lieu de 25, il fait un dé de 8 au lieu d'un dé de 6, donc il fait plus de dégâts. Il pèse à peu près le même poids. Mais il tire de 150 à 600, donc il tire beaucoup plus loin. Il est aussi à deux mains, mais il a ce truc qui s'appelle Heavy. Et Heavy, c'est un effet qui te donne le désavantage. Ça donne un malus à certains types de races. Les races de taille petite ont du mal à porter les longbows. Par exemple, les tieflins, les gnomes, tout cela, ils peuvent pas utiliser des grands arcs. Eux, ils ont le désavantage quand tu utilises ces armes-là. Pour toi, c'est pas du tout le cas. Donc toi, tu as intérêt à utiliser un longbow au lieu d'un shortbow. Pourquoi ? Parce que tu as l'avantage sur les armes martiales. C'est un type d'arme martiale. Donc c'est une arme de guerre en français. Une arme martiale, ça veut dire arme de guerre. Si tu as l'avantage sur les armes martiales, il vaut mieux que tu utilises un longbow. Alors que si tu n'as pas l'avantage, il vaudra mieux que tu prennes le shortbow, qui lui tire moins loin, un petit peu moins fort. Mais vu que tu as l'avantage sur toutes les armes traditionnelles, qui ne sont pas les armes de guerre, tout le monde a l'avantage sur les armes traditionnelles en fait. Donc il vaut mieux utiliser une arme traditionnelle avec avantage, avec maîtrise pardon, plutôt qu'utiliser une arme de guerre que tu ne maîtrises pas. Donc voilà.
Voilà la différence entre les deux. Toi, tu maîtrises les armes de guerre. Donc, aucun problème. Autant prendre l'arme de guerre tout de suite qui est plus puissante. D'accord. Donc, je prends pas le... Écoute, tu peux le prendre pour le revendre. S'il a pas servi, t'arriveras à le revendre. Ça va en tirer une ou deux pièces d'or. Après, si tu perds ton arc, tu pourras peut-être sortir celui-là. Ou s'il casse, ça peut toujours servir. D'accord. Après, un arc avec un peu d'imagination, ça sert à plein de trucs. Hein. Tu peux t'en servir pour faire une canne à pêche, tu peux t'en servir pour taper un arbre avec, pour faire tomber des glands. Hein. T'as bien vu un gobelin essayer de faire ça. Hein. Tu imagines ce que tu peux faire avec un arc. Attention, ça peut être très très intéressant. D'accord, oui, bon, bah je le prends quand même alors. Ouais, tu fais bien. La seule limite à prendre des trucs comme ça par terre. De toute façon, moi, ça fait des années que je joue avec Shae à des jeux de rôle. Laisser un arc par terre, c'est pas possible. Dans sa conception, Shae ramasse tout. Non. Un sou, c'est un sou. Dans un jeu de rôle, un sou, c'est un sou. Mais je pense qu'il est pareil en vrai, en fait. Un sou, c'est un sou. Ah, attention, peut-être. Hein. C'est peut-être Picsou en vrai, on ne sait pas. Mais un sou, c'est un sou. Et Shae, lui, un arc, c'est une arme, c'est une arme. C'est, ça vend au marchand, c'est pour le NPC. Et c'est comme ça qu'on fait des grandes fortunes. Hein. Et d'expérience, je te conseille de suivre ça, parce que à chaque fois, il est pété de thunes dans tous les jeux qu'on joue. C'est l'homme riche de... Il est très bon hein, là-dessus, donc moi je te conseille de ramasser l'arc, et même si t'en fais rien, t'as qu'à le vendre. Ou essayer de le refourguer ou de le troquer. Tu pourrais croiser un gobelin un jour, hein, et lui dire « Je te donne un arc si tu me dis ça. » Et le mec, il marche. Hein. C'est, le gobelin, alors là, t'es tranquille, il court même. Hein. Là, ça, tu peux faire plein de choses avec des petits trucs, même si sur le moment, ça a pas l'air très utile. Par contre, il y a quand même une limite... Hein. Faut que tu fasses attention, et là je t'invite encore à utiliser ta fiche personnage. Et d'aller ce coup-ci dans l'onglet inventaire. Au lieu de l'onglet action sur la droite. Oui. Et tu vas tout en bas. Tu descends. Et tu as ce qu'on appelle l'encombrance. En français, c'est l'encombrement. Tu es actuellement, tu portes un poids de 54 livres. C'est-à-dire une 20-25 kilos. Donc tu n'es pas encombré. Tu peux voir sur le côté gauche, tu peux porter un maximum de 210. Donc avec ta force, tu es quand même balèze. Hein, parce que tu arriverais à porter à peu près 100 kilos. Tu pourrais porter jusque 100 kilos de matos. Bon, c'est un maximum. Après, tu auras des malus. Hein. Mais tu peux porter 100 kilos de matos. Eh, en vrai, si elle apporte 100 kilos de matos, elle est écrasée dessous. Hein. Avec les muscles qu'elle a. C'est ça. Elle crie là-bas. et tu peux même. T'es tellement balèze. T'as quand même 14 de force. Hein. T'es affûté, mais. T'es balèze. Hein. T'es balèze, 14, ça fait vraiment beaucoup. Hein. Pour une elfe, c'est vraiment très 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 fort. T'es capable de pousser jusqu'à presque 200 kilos. Tu imagines un machin, un bloc de 200 kilos devant toi. Écoute, t'arriverais à le pousser. Donc un corps mort sur le sol qui fait 100 kilos avec son armure, toi tu le prends par les deux pieds et t'arrives à le tracter. Hein. T'es balèze hein, quand même, hein. Faut pas trop t'embêter. Hein. Tu tapes très 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 fort et t'as une bonne force. Et ta constitution, t'es assez fluette. Mais malgré tout, t'es très 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 musclé. Tu t'arrives à pousser. La traduction lift, push, drag, c'est soulever, pousser ou tracter. Ou ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. D'accord. Voilà, donc c'est ta seule limite, parce que plus tu vas prendre de matos. Et plus tu vas avoir de poids à porter. Et plus tu as de poids à porter, dès que tu vas approcher de ta limite, ça va descendre ton mouvement. Quand tu vas combattre, si tu as le sac à dos sur toi avec tout ton équipement, bah, tu pourras plus combattre correctement. Tu vas être bloqué dans certains de tes mouvements et ça peut devenir très dangereux. Donc à chaque fois avant de combattre, là c'est pas trop le cas, tu n'as pas beaucoup de poids sur toi. Mais si tu rentres dans un grand combat, la meilleure chose à faire c'est de tirer sur la petite cordelette qui est au niveau de ta ceinture. Tu tires pour détacher ton sac à dos. Et laisser ton sac à dos au sol, quoi. Faire le combat sans ton sac. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour être libre de tous tes mouvements, quoi. Ok. Voilà. Petit conseil de GM. Voilà. Écoute, je te laisse reprendre la route du nord, si tu as l'air de...
d'avoir eu les informations que tu cherchais, quoi. Il n'y a plus rien à faire ici. Hein. Donc, tu vois, la route, elle continue au nord, là. Je te laisse partir. Donc, tu te mets en route. Il fait presque nuit. Tu arrives... Il fait bientôt nuit, tu arrives près de... Ouais, t'es toujours le long de cette route et tu suis les traces que tu arrives à retrouver. Tu vois, en effet, c'est des hobgoblins, hein, d'après ce que tu as compris. Les hobgoblins, c'est méchant. C'est très méchant. Bon, tu n'as pas de grandes connaissances, mais bon, t'as vécu pas mal de temps dans cette forêt, donc tu sais que ce sont des races agressives, un peu comme les goblins. Par contre, on n'est pas du tout sur le même type d'adversaire. Hein. Combattre 3 gobelins, c'est faisable. Combattre 3 hobgoblins au niveau 1, comme ça, ça un hobgoblin à peu près ton niveau. Donc 2 hobgoblins, si t'es quelqu'un de doué, tu vas t'en sortir. 3 hobgoblins, vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de se lancer tout seul là-dedans. Tu estimes, en voyant les traces de pas, est-ce que l'autre t'a dit entre 6 à 10 personnes? Donc aller combattre 6 hobgoblins, c'est du suicide. Mais bon, t'es parti pour les suivre. Alors, il fait nuit. La nuit tombe. La nuit tombe. Est-ce que tu veux... Ça commence... Bon, t'as une dark vision, donc t'as pas trop de problèmes. Et est-ce que tu souhaites... est-ce que tu souhaites continuer à les suivre ou faire une halte pour te reposer? Si je suis pas fatigué, je continue. Écoute, t'es pas fatigué. Tu peux continuer. Tu peux marcher, tu peux continuer dans la nuit à les suivre. Tu n'as pas de difficultés particulières. Tu continues. Et ça t'évite de te faire attaquer dans les bois. C'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt judicieux comme choix. Tu arrives, tu marches toute la nuit, tu t'enfonces de plus en plus dans cette forêt, tu commences à vraiment être très loin. T'es étonné même du rythme qu'ont pris ces hommes gobelins. Ils ont l'air de vraiment partir très 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 loin du village pour pas être retrouvés. Tu penses que ça a été planifié, ils sont pas tombés là-dessus par hasard, hein. Tu te dis vraiment que c'était ce qu'ils étaient venus chercher, et là tu suis les traces et tu dis mais c'est pas possible, ils vont à une vitesse folle. Et le matin se lève, le jour revient, et tu arrives au-dessus d'une espèce de falaise. Je vais t'afficher et tu es assez content de voir ce que tu vois. Je sais pas si tu vois la map. Oui. Oui, tu la vois. Tu repères tout de suite, c'est un espèce de campement avec des tentes, donc tu penses que c'est un campement gobelin. Et voilà, ça a l'air calme. Et tu vois en plein milieu du campement ce qui t'intéresse, hein. Oui, oui. Oui, c'est ça que tu étais venu chercher, hein. On est bien d'accord, hein. Tu vois des fraises, mais voilà, tu n'as jamais vu des fraises, enfin c'est des baies, hein. Tu n'as jamais vu des fruits aussi gros, quoi. C'est bien ça que tu cherches, c'est les mêmes que dans le village, c'est ça qu'il te faut, quoi. Donc tu es au bon endroit. Je vais te placer sur la map. Positionné sur la map, donc tu es tout au nord, tu es arrivé par les falaises et tu es près des rochers là, et tu inspectes le contrebas. Et bon, on est le jour vient seulement de se lever,
tu ne vois personne, tu vois pas de feu de camp d'allumer, tu penses qu'il y a un... tu penses que ça a l'air vide ou ça dort dans les tentes, quoi, mais bon, t'as pas l'air... Et bizarrement, le butin, il a été laissé en plein milieu, comme ça. Bon, c'est pas très safe, mais il se croit en sécurité. Tu surplombes bien la falaise et tu penses pouvoir... Tu pourrais peut-être éventuellement descendre par la falaise, c'est dangereux. C'est assez abrupt quand même, c'est dangereux, c'est casse-gueule, hein. c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais voilà. Bon, la situation, tu vois des tentes et tu vois les baies en plein milieu, quoi. Qu'est-ce que tu souhaites faire ? J'essaye de m'approcher pour voir s'il y a personne de caché. D'accord. Tu peux t'approcher un petit peu... C'est... Je vais avancer ton personnage. Là, tu es vraiment tout au bord de la falaise. Tu peux pas être plus au bord. Voilà, là, t'es vraiment en bordure. Hein. C'est le vide devant toi. Hein. C'est le vide et on est sur du 15 mètres de hauteur. Quoi. C'est... Bon, il y a une pente. Heureusement, il y a une pente. Tu pourrais glisser peut-être. Mais bon, si tu tombes, tu risquerais de. Tu vas le sentir passer. Du coup, est-ce que j'aperçois quelqu'un ? Écoute, tu ne vois rien du tout. Ça paraît extrêmement calme. Rien du tout. Rien. Et tu n'entends rien. Du coup, je pourrais peut-être m'approcher. Oui. Tu veux essayer de t'approcher. Ok. Ouais, c'est assez abrupt. Tu peux essayer de faire un. Donc là, on est sur de l'escalade. Hein, c'est du climb. C'est un G2. Ça doit être de l'athlétisme. Je regarde. Acrobatique ou athlétique, hein, je vois. Ouais, c'est sur la façon dont tu descends. Ouais, un jet d'acrobatique, ça me paraît être le plus... Tu vas essayer de descendre avec pas mal de dextérité. Tu peux essayer de faire quelque chose, vu que t'es doué en dextérité. Par contre, t'as l'avantage sur tes jets d'athlétisme. Donc avec force, tu pourrais essayer de sauter et de te réceptionner assez... Ou de te pendre. De te pendre par les bras et de tout ton poids, essayer de... C'est assez abrupt quand même. Ça c'était abrupt. Fais ce que tu veux. Soit un jet d'athlétics, soit un jet d'acrobatics. Comme tu le sens. Fais-moi un jet dans la tour. Selon la façon dont tu veux descendre. Comment tu appréhendes ce ravin. Parfait. Tu commences à te... Ouais, ok, tu vas manger. Tu as bien ton sac à dos derrière toi. Tu commences à remettre, à bien mettre ton épée. Tu mets ton arc en bandoulière. Et tu commences à descendre. Tu agrippes bien le rocher de tes deux mains. Tu te laisses descendre. Tu arrives à te retenir avec tous tes efforts et à te pendre le long de tes bras. Tu essaies d'attraper la pierre qui est un petit peu sous tes pieds. Tu essaies de gratter un petit peu du pied pour essayer de poser cette pierre et d'avoir une prise. Et à ce moment-là, tu lèves un petit peu les yeux au-dessus de toi. Et tu vois quelque chose qui te... Bah, qui te fait... tu sais pas, hein, mais ce que tu vas voir là, tu vas dire « Merde !» Je te laisse découvrir par toi-même. Et
Et voilà. Voilà ton ami, le gobelin numéro 3, que tu as empalé le long de l'arbre, à qui tu as laissé la vie, qui arrive près de toi. Et il se met à marcher assez rapidement. Et il vient carrément coller à toi. Mais il devient pot de colle. Ah oui, il devient très pot de colle. Il te regarde comme toi la première fois. Et il te redit exactement pareil que la première fois. Et puis il te dit méchant, t'es pas gentil. Et il te marche sur les doigts l'enfoiré. Et il t'écrase tes doigts. Et tu fais une chute. Mais tu tombes tout le long du ravin. Et tu arrives en bas. Ça fait un bruit et tu cries de tout le long de ta chute. Fort heureusement, tu t'étais bien pendu et tu as fait que glisser et faire des roulés-boulés jusqu'en bas. Mais franchement, tu arrives en bas, tu t'es fait cartonner. T'as pris super cher. Hein. Tu t'es fait extrêmement mal avec tout le poids de ton sac et tout. Ça a fait un baroufle incroyable. Toutes tes conserves, tes rations, tout ce que t'avais, ta gamelle, ça résonne, toutes tes armes, ça fait un énorme bruit. Pourtant, il y avait un calme incroyable dans ce petit coin de forêt, mais là, ça a créé un énorme brouhaha. Tu arrives tout en bas et tu vas te prendre 2 dés de 4 de dégâts au bludgeoning. Donc les dégâts au bludgeoning, ce sont les dégâts contendants. Donc c'est les types, ce n'est pas des dégâts perçants comme certaines armes ou des dégâts tranchants comme d'autres. Des dégâts, certaines armes font des dégâts contendants, mais les dégâts de chute, ce sont des dégâts d'écrasement en fait. Donc ce sont les types de dégâts contendants. On appelle ça comme ça. Une arme contendante, c'est une arme qui une matraque par exemple ou un gourdin. Du coup avec toi Flo, elle est morte, ça y est. Non, on va prendre 2 dés de 4, ça fait 8 points de dégâts, hein, elle a 11 points de vie, donc normalement non, elle est pas morte, hein, à part si elle se prend double, non même pas, non, elle va se prendre super cher, hein, elle s'est fait super mal. Hein. Donc pour lancer 2 dés de 4, elle signa, tu fais le dé de 4, c'est celui de plus à droite, c'est le dé, ouais, je lui laisse ce plaisir. Ça lui fera tripatouiller un peu les dés. Tu fais un clic droit sur le dé de 4, celui qui est tout à droite, et tu choisis 2. Et après, tu le lances sur le plateau. Et le. Ok. Ah ouais, super score, bravo. Tu viens de te prendre 8 points de dégâts. Tu t'es fait super mal au tibia, tu t'es éraflé les deux genoux, t'as les deux genoux complètement en sang, tu t'es râpé presque le museau sur le long du mur, quoi. T'as râpé ton joli visage le long de la colline, t'as le nez en sang, t'as toute une oreille, tu t'es fait super mal, hein. Tu t'es éclaté, t'es au sol, t'as crié tout le long de ta chute. J'aurais voilà, je t'ai mis 8 points de. Écoute, il faut jamais se fier aux gobelins, hein, c'est vraiment des saloperies. Et il te regarde en haut, et puis il te dit méchante, t'es même plus belle. Et il se casse. Il se casse en courant, il s'est foutu de ta gueule. Et il a raison, en plus, tu viens de te râper tout le visage sur le mur, donc t'es un peu moins joli. Mais bon, ça c'est pas trop grave, t'es surtout dans un très mauvais état, t'es au fond. C'est le cas de dire, elle est au fond du gouffre. Elle est au fond du gouffre. Tu fais un roulé-boulé jusque-là. Donc t'es lourdement blessé. Si tu regardes sur le combat Tracker, tu n'as plus que 3 points de vie sur 11. Donc t'es vraiment pas bien. Et malheureusement, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Et tout ce bordel réveille un peu ce beau monde qui est en train de dormir. Et ça commence à sortir des tentes.
Et bon, tu es consciente, hein, tu t'es fait super mal, t'arrives quand même à te remettre sur tes appuis, tu es debout, tu as quand même détaché ton sac là, tu as vite détaché ton sac pour pouvoir te frotter les genoux vite fait et puis te remettre un petit peu de cette chute. Tu arrives près des gros berries, mais autour de toi, sortant des tentes, tu as 6 hobgoblins qui t'encerclent et qui ont bien vu ce. Qui t'ont vu chuter, hein, ils t'ont vu te relever. Et bah, tu sembles cerné, hein. Tu es cerné, et ils ont pas l'air commodes du tout. Hein. Donc du hobgoblin, on est sur du lourd. Hein. Tu imagines à peu près ce que c'est. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Tu vois ce que c'est un Uruk-hai là, les espèces d'orques avec une drôle de tronche là. Tu te souviens ce que c'est un Uruk-hai? Un hobgoblin? Oui, je vois à peu près. Tu vois à peu près, donc ils font à peu près ta taille, hein, ils sont un peu plus costauds que toi. T'es cerné par 6 hobgoblins. Ils te regardent et tu commences à paniquer, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'as ton arc, t'as ton épée, t'as ton bouclier à côté de toi. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu viens de voir 6 énormes hobgoblins sortir de leur tente, ils sont lourdement armés. Je prends mon bouclier et mon épée. Oh bah, regardez les gars, il y a le moucheron qui va essayer de se défendre. Donc là, tu vois 6 hobgoblins qui te regardent et ils sont en train de se dire « Mais sérieusement, tu prends ton épée et ton bouclier, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Tu commences à avoir de la sueur qui perd le long de ton front, en plus du sang. T'as un sacré coup de chaud. Hein. Ok, t'as retrouvé les gros berries, mais tu as très 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 peur. Hein. Ils sont impressionnants. Tu sers bien ton épée, tu sers bien ton bouclier, mais t'es pas confiante du tout là. Tu te rends compte que tu t'es mis dans une situation très délicate. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah là, je me sens, je sais pas, cerné et tout, je sais pas trop quoi faire. Bon, tu as plusieurs solutions. La première, c'est de combattre. C'est de combattre, sachant que la mort te pend au nez. Hein. On est d'accord, on avait parlé de 2-3 hobgoblins, ça va être compliqué. Ça va même être très compliqué. Là, on est sur du 6 hobgoblins. Ils sont en train de rigoler, tu vois qu'ils sont un peu, ils savent où ils sont dans leur campement, toi tu viens de tomber, t'as plus beaucoup de points de vie, t'es pas bien, t'es pas dans la bonne situation. C'est la première solution, à mon avis, c'est pas la meilleure des options. La seconde, c'est sortir le drapeau blanc. Je pense que sortir le drapeau blanc, ça peut se tenter, c'est délicat. Se rendre, hein, se rendre, ça peut être une solution, pourquoi pas. Discuter, c'est une troisième. Il avait l'air de parler le langage commun, il avait l'air de bien rigoler, il a l'air de bonne humeur, il vient de se lever. Il a l'air d'avoir bien dormi. Voilà, après, est-ce que c'était en situation de marchander quoi que ce soit, j'en doute. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est 3 solutions pour moi. Après, si tu en vois une quatrième, n'hésite pas à me la proposer. Ça serait d'essayer de leur parler, du coup. Je vais essayer de communiquer. Alors, t'en as un qui se met un petit peu plus en avant que les autres. C'est lui qui est le plus près de toi. À ta droite, là. Lui, il a l'air... c'est lui qui a l'air de mener un peu la bande. Tu peux essayer de parler avec... Il t'écoute.
Tu peux lui parler comme si on dialoguait. Moi, je vais jouer le rôle de ce hobgoblin. D'ailleurs, est-ce que tu entendais la voix changer tout à l'heure quand j'avais activé le Morvox ou pas? Oui, oui. Ouais, d'accord. Ok, bah, je vais prendre cette voix-là. Puis on va, si tu veux essayer de dialoguer avec. Par contre, Nérol, j'ai essayé d'articuler au maximum. C'est difficile de comprendre si jamais tu parles rapidement. Ok, je vais essayer de parler doucement. De toute façon, bon, après, c'est roleplay, hein. Vous comprenez pas forcément quand un orc parle, c'est toujours délicat. Mmh. On va essayer. Ça marche. Eh ben, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux lui dire à ce gobelin? Que je voulais pas les réveiller, déjà. Tu nous as dérangés dans notre sommeil. Qu'est-ce que tu viens faire là, petit effronté? T'as de la chance que notre capitaine ne soit pas là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me promenais et je suis tombé par hasard ici. Personne n'a jamais trouvé notre campement. Tu te fous de nous? Bien sûr que non, c'est déjà... Enfin, c'est jamais arrivé, mais ça peut arriver au moins une fois. L'hobgoblin n'a pas l'air de te croire. Si tu veux essayer de lui faire croire que ça, il faudrait qu'il me fasse un jet de persuasion. De tromperie, pardon. C'est un jet de deception. Si tu veux essayer de l'embobiner, de lui faire croire que t'es tombé là par hasard, parce qu'il a pas du tout l'air de te croire, là. Donc tu fais un jet de deception dans la tour, s'il te plaît. Bien déception que tu lui as demandé de faire. Déception, ouais, c'est bien ça. Deception. Tu peux le lui. C'est un faux. Tu peux lui retraduire un coup. C'est. Tromperie. 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 En fait, t'essayes de mentir. Tu mens super mal, c'est une catastrophe. On n'est pas loin. Tiens. De la vérité. T'as fait 5. Ouais, c'est pas terrible, t'as fait 5, hein, c'est très mauvais jeu d'actrice sur le coup. Tu mens très mal, il est pas du tout dupe, et il te rétorque. Traître de discuter. Maintenant, pose tes armes. On va attendre le retour du capitaine. On verra si on te mangera ce soir ou plus tard. Saisissez-la, les gars. Sur le champ. Donc là, tu vois tous les hobgoblins qui s'approchent de toi les uns après les autres et ils sont prêts à te... Enfin, si tu poses pas tes armes, tu vas... ils vont y aller de manière forte. Hein. Ils vont te couper les bras, là. Hein. Donc... C'est pas terrible, hein, la situation. Hein. C'est vraiment pas génial. Hein. Je pense que la discussion a coupé court. Hein. Il te reste l'option de combattre. Hein. Fuir, c'est pas possible, y a pas d'issue. T'es dans un ravin, t'es cerné. Mais si je combats, je suis morte. Ouais. Je pense que te rendre et attendre le capitaine pour essayer de discuter, parce qu'apparemment il a pas l'air de pouvoir, il a pas le pouvoir de prendre la décision. Apparemment il y a un capitaine hobgoblin. Peut-être essayer de discuter avec quelqu'un de plus intelligent et plus haut gradé serait une solution. Mais là, écoute, si tu résistes, Je résiste. Comme pas. Tu veux. Je laisse. Tu poses tes armes? Oui. Ok.
tu vois les hobgoblins qui approchent de toi. Tu laisses tomber tes armes. Il y en a un qui te prend le poignet, le bras. Il te tord le bras, ce qui te fait tomber les deux genoux à terre. Et le deuxième arrive tout près de toi. Il prend son gourdin et il te met un grand coup de gourdin derrière la nuque. Tu tombes et tu prends 3 points de dégâts automatiques. Tu tombes à 0 point de vie. Tu tombes inconsciente. Oh, il est méchant, Jem. T'es là, Nerolf ? On t'entend plus, hein, si... Enfin, moi, je t'entends plus. Tu l'entends, là ? Non, t'entends plus, Nerolf, hein. Je sais pas ce qui se passe. T'entends plus depuis un petit moment, déjà. Est-ce que là, vous m'entendez ? Ouais. Ouais, pardon. Ouais, c'est parce que j'ai enlevé le Morvox comme un âne. Donc je disais, voilà, je pense qu'on va arrêter là ce premier épisode. Tu t'es fait, tu finis dans de beaux draps, hein, malheureusement. C'est assez compliqué. Maintenant, tu n'as plus qu'à attendre que le capitaine Hobgoblin choisisse. Enfin, tu vas essayer de parlementer avec, hein, mais c'est lui qui va décider de ton sort. Voilà, c'est délicat. Tu as appris plein de choses. Je pense que tu as appris plein de choses. Tu as combattu. Tu as malheureusement laissé la vie à quelqu'un de fourbe. Tu regretteras peut-être. On le saura au second épisode. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Elsinia ? Non. Non, ça va, tu as bien compris. Bon, tu t'es fait un peu casser la gueule, hein. Je sais pas à quel moment ça a coupé la voix, je sais pas, tu as bien compris que tu étais prisonnière. Oui, oui. Ça a coupé au moment où tu as dit qu'il prenait 3 points de dégâts supplémentaires par le gourdin. Ok, t'as pris 3 points de dégâts supplémentaires, tu tombes à 0 points de vie, tu es tombée inconsciente. Hein. Que t'as 0 points de vie et voilà, ils t'ont capturé. Donc ils t'ont laissé dans le coma, inconsciente, ils t'ont saucissonné avec une corde et ils t'ont balancé dans une des tentes. Et t'es coincé là, t'as plus qu'à attendre. La suite au prochain épisode. D'accord. Voilà. Désolé, hein, c'est pas une belle fin pour un premier épisode. Ouais. c'est délicat. Ah, voilà. C'était fait chier à faire un beau background et tout, bah, you know, non, ça coupe non, court pas, là. Pas du tout, on est loin d'en avoir fini, ne t'inquiète pas, la suite aux prochaines aventures, on espère revoir Elsinia dans de meilleures situations un petit peu plus tard. J'espère pas aussi, parce que là, c'est presque mort. C'est ça, t'es pas bien, mais bon, t'inquiète pas, ça va aller. On va dire au revoir à nos viewers, et puis on se voit très bientôt. On se voit jeudi pour la suite de The Horde of the Dragon Queen avec tout le groupe d'aventuriers. Voilà. Merci à toi, Elsinia. Merci, Erwal. Merci, Chahi. Et merci aux viewers. À ciao, à la semaine prochaine. Bye bye.